protégé. Samuel qui dit. Samuel est comme Saül, Saül. Pourquoi tu viens de me déranger de mon repos? Kwani nani zuru katika pumziko langu? Donc un sorcier pouvait faire monter un saint. Ni kusema mchawi angeweza kupandisha mtakatifu kweli? Parce que c'est le diable qui avait la clé. Kwa kuwa shetani nyuma alikuwa na funguo. Le paradis avait deux parties. Paradiso ilikuwa na sehemu mbili. Une partie, sehemu moja, c'était pour les saints qui avaient cru au message. Ilikuwa kwa ajili ya watakatifu waliamini ujumbe wa wakati yao. C'était pour les incrédules. Ilikuwa kwa wale wasioamini. Le monté. Akapanda. Mais un prophète. Lakini nabii. Demeure prophète. Anabaki tu nabii. Même après sa mort. Il ne change pas. La mort sur cette terre ne change pas votre vie. Personne ne doit vous tromper. Si tu es bandit ici et tu meurs, je vous dis au nom du Seigneur, vous resterez bandit même de l'autre côté. Les histoires de purgatoire n'existent pas. On va faire des messes de requiem, c'est faux, c'est diabolique. Tout à fanya misa kumuhamisha, tumuingiza mbinguni, ni vya bongo, ni vya kishetani. C'est le commerce de l'antichrist. Ile ni kutafuta pesa kuuzisha maombi ya mpinga. Si aujourd'hui sur la terre, kama leo kudunia hii, tu ne reçois pas l'essentiel, haupokei cha muhimu, tu ne reçois pas le Saint-Esprit, haupokei Roho Mtakatifu, tu es perdu pour toujours. Wewe unapotea lote, perpétuellement. Je ne vais pas dire éternellement. Parce que si tu es perdu éternellement, donc tu as la vie éternelle. Alors tu es perdu perpétuellement. Donc des innombrables jours, mais un jour, ça finira. Que tu puisses d'abord goûter la punition avant d'être exterminé. Alors Samuel dit, Samuel il est prophète, la mort l'a reposé, mais il s'est réveillé et il a prophétisé. Parce qu'un prophète naît prophète, il meurt prophète, il ressuscite prophète. Alléluia! Amen! Tu m'as dérangé de mon repos. Et Saul m'a sumbua katika pumziko. Dieu m'a abandonné. Mungu alishaniacha. Mais qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini basi? Les Philistins sont là. Les Philistins wala nizingire. Wala nizingire. Je n'ai plus d'onction. Sina kisi ya kufanya. J'ai une guerre à mener. J'ai besoin de ta bénédiction. Inahitaji baraka zako. Quoi? Nini? Avec tout ce que tu as fait? Na hivyo tulivyofanya? Non, non, non. Hapana, hapana, hapana. La bénédiction est sur quelqu'un d'autre. Mi baraka inakuwa juu ya mtu mwingine. Dieu a déjà oué quelqu'un d'autre. Demain, kesho, à la même heure, kwa saa hii, tu seras avec moi ici. Utakuwa pamoja nami hapa. Pour dire que Saül, kwa kusema ya kwamba Sauli, n'est pas perdu. Hakupotea, hapana. Tu seras avec moi ici pour dire, utakuwa pamoja nami hapa kwa kusema, malgré que tu sois un élu, hata kukiwa mteule, tu vas payer pour ce que tu as fait. Hey, tu mourras au moment où tu ne devrais pas mourir. Parce que tu dois payer. Aucun payé ne restera, aucun péché ne restera impuni. Samuel, plutôt Saül, mourut avec son fils Jonathan pour laisser la place à l'onction de David. Afin qu'il puisse régner aisément. Alléluia. Amen. Voyez? Mnaona? Donc un chrétien, nikusema Mkristo, depuis ce jour-là, tangu ile siku, on a compris kaelewa ya kwamba, qu'il y avait deux parties. Kulikuwa ko sehemu mbili. Quand Jésus est ressuscité, Yesu alipofufuka, il est parti avec ceux-là
qui avait reçu le message de Moïse, le message de Noé, le message d'Abraham, tous ceux qui ont reçu le message de Daniel, de Jérémie, de tous les prophètes qu'on leur avait, Dieu avait envoyés. Ceux qui avaient reconnu le jour et son message, ceux-là sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Jésus est sorti avec eux. Amen. Mais comme ils étaient dans leur théophanie, ils pouvaient apparaître et disparaître. Ce n'est pas tout le monde qui les voyait. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité dans un corps glorifié. Et jusqu'à ce matin, il n'y a qu'un seul qui a le corps glorifié. Car il y a trois corps. Il y a le corps physique, un corps mortel comme celui que nous avons, qui est né de la femme, qui grandit et qui meurt, qui vieillit, qui prend des rides et qui vieillit, qui meurt. Ça, c'est le corps physique. Il y a le corps angélique qu'on appelle théophanie. Amen. Amen. C'est un corps invisible, mais un corps lumière. C'est comme un ange. Alléluia. Amen. Il peut apparaître et disparaître. Un corps angélique. Il vous ressemble exactement. C'est vraiment vous. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Santé Jésus. Et sont ces corps-là, ni yale mili, c'est vraiment eux, parce que c'est ça l'âme. Kabisa kabisa ni wao kwa kuwa ni nafsi ndio. C'est ça même l'âme. Hiyo ndio nafsi yenyewe. C'est ça la portion de la colonne de feu. Hiyo ndio sehemu ya nguzo ya moto. C'est ce que Jésus, hiyo ndio Yesu, a fait qu'il puisse descendre, mourir à la croix pour chercher ça. Eh oui. Pour blanchir ce que Satan noircit. Par son sang purificateur. Alléluia. Amen. Mais personne, à part notre Rédempteur, à part notre Seigneur, qui a reçu un corps glorifié. Parce que le corps glorifié, c'est la fusion. La fusion. C'est la fusion entre la théophanie qui est la parole, théophanie ambayo inakuwa neno, la perfection, kamilifu, et avec un corps, le corps physique. Na mwili ule wa neno fu. Deux fusions. Wakati hizo mbili zinakutana. Ça s'appelle le corps glorieux ou glorifié. Mwili ulio tukuka. C'est ça le corps qui sera enlevé. Na hiyo ndio mlitakao nyakuliwa. Amen. C'est ce que nous attendons. Na hiyo ndio tunangojea. C'est ça la rédemption dont nous chantons. Nous attendons le jour de la rédemption. Le jour où nos corps vont fusionner avec nos théophanies. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des corps physiques mortels, mais qui sont soumis à la théophanie. Ah, voilà pourquoi nous ne faisons pas n'importe quoi. Parce que notre théophanie regarde constamment la face du Père. Voilà pourquoi quand tu vois le mal, tu détournes le visage. Quand le diable te dit une chose, quand ta théophanie est là, elle refuse que ton corps puisse se suivre. Chafua. Amen. 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 Mais dans peu de temps, le matin va venir. Tous les saints de Dieu vont se rassembler. Quand le dernier élu va entrer, il y aura la translation des saints. Donc ceux qui sont vivants seront translatés.
Ceux qui sont morts, waliokufa, c'est eux qui vont commencer à ressusciter. Ils sortent. Watatoka. Alléluia. Amen. Ils reçoivent. Watapokea. Ils reçoivent la vie. Pokea uzima. Ça veut dire leur théophanie. Nikusema théophanie zao. Rassemble la poussière. Inakusanya yale mavumbi. De leur corps. Ya miili zao. Même si on pouvait les brûler. Hata kama walikuwa waliwaulunguzaka kwa moto. Et on prend. Na wanachukua. Cette cendre. Yale majifu yao. On jette à l'océan. Wanaitupa ndani ya bahari. Comme Dieu est créateur. Kwa kuwa Mungu yeye ni muumbaji. Il va rassembler une personne exactement la même. Atakusanyisha yale mavumbi yote na itakuwa yule yule mtu ule. Alléluia. Amen. Avec l'assemblage ou la fusion de sa théophanie. Pamoja na kuingiana ama kuwa pamoja na ile théophanie yake. Sera le corps glorieux. Glorieux ou glorifié. Na utukuka. Et nous qui sommes vivants. Nous serons changés en un clin d'œil. Changés comment? Nos corps ici vont emboîter, fusionner avec une théophanie. Alors nous les verrons. Nous serons assemblés. Nous allons nous saluer. Nous allons nous promener. Nous allons raconter comment nous vainquions. Et ça ne va pas traîner. Nous partons. C'est une disparition. Je ne serai plus là. Tu ne seras plus là. Celui qui dit qu'il sera là, donc il a raté l'enlèvement. Vous voyez un peu ce que Jésus a fait pour nous. Je sais que nous nous croyons, mes amis. Nous sommes donc un peuple. Nous croyons au rachat, à la rédemption, à l'œuvre du calvaire. Ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a sauvés du péché. Il a guéri nos maladies par ses mains précieuses. Il a résolu nos problèmes. Il exauce nos prières même maintenant. Il enlève même la soif du péché. Il prend son esprit. L'esprit qui faisait qu'il soit obéissant au Père. Ce qui faisait de lui l'agneau qui était soumis à la colère. Cet esprit-là, il place ça dans son fils, dans sa fille. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que vous ne nous voyez pas dans des bars. Vous ne nous voyez pas dans des jeux d'argent, dans des bêtises de ce monde. Ce n'est pas que nous forçons, mais nous sommes soumis à une force. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'épouse de Christ qui attend le départ. Donc nous sommes en partance pour le ciel. Les voyageurs en partance pour le ciel. Est-ce que vous avez chacun de vous votre passeport, votre visa? Soyez-en sûr. Hein? Ah, faut pas seulement être à l'aéroport. Bien sapé là en train de causer. Mon ami, tu vas où? Je vais à New York. Mimi naenda New York. On regarde les papiers que tu as. Wana ça ne vaut rien. Aina hata maana moyo. Ce n'est même pas le passeport. Si kwanza passeport. Ce n'est même pas le visa. Si visa. Il n'y a rien. Tu n'es pas dans le système. Hakuna lolote wala hawakuoni ndani ya kompyuta. Actuellement. Ah, parle ça ça. Tout est devenu numérique. Kila kitu leo kwa leo inakuwa ya ki computer. Tu ne peux pas aller faire fabriquer une histoire quelque part. Hawezi na kujitungia kitu fulani fasi fulani. Non, non. Hapana. Des fois tu viens seulement. Mara unakuja tu leo. Tu mets seulement unaweka le pouce kidole chako. Et tu te vois. Na unajiona mwenyewe huko ndani ya computer. Na unapita. Où tu regardes seulement. Unatizama tu. Il y a l'empreinte rétinienne. Kuna ile ya kuangalia kupitia macho na inakupitisha. Na unaingia. Alors toi qui es en train de causer déjà jacassé là-bas. Ouais, moi unaongea pale, unafanya mahabari. Tu vas rester là-bas. Utabakia pale. Et c'est la police qui viendra te sortir, monsieur. Nani askari police qu'est-ce que tu fais ici depuis le matin? Tangu asubuhi uko hapo unafanya nini hapa?
mais moi je vais à New York. C'est toi qui le dis. Où sont les documents? Tuoneshe vitambulisho. Mais regardez-moi quand même. Simu niangalie kesimi nafaa kwanza. Hapana. Tu sois long, tu sois élancé, tu sois court de taille, tu sois une dame. Ayez quand même le respect pour les dames, non? Tu as heshima kwa l'homme, il n'y a pas de respect. Pale hakuna bia heshima pale. Il faut que les documents le prouvent. Inabidi document zako zinaonesha kuna elekea. Et c'est là que vous me comprenez mal, vous pensez que je suis en train de vous attaquer. Muna je n'attaque personne. Si shambuli mtu yoyote hapana. Je prêche par l'amour divin. Na ubiri kupitia upendo wa kiungu. Parce que je ne veux pas un ciel seul. Kwa kuwa sipendi nishikutane mumbingu mimi mwenyewe. Je veux nataka peupler le ciel et non l'enfer. Et il n'y a qu'un seul chemin. Un seul. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. N'ayez pas peur, mes amis. Wala msiwe na woga rafiki zangu. Écoutons ainsi le prophète. Dans cette introduction ici. Katika kiingilio hii. À qui irions-nous? Tutamwendea tena nani? Ah, je ne vous ai pas dit. Nous croyons aux prophètes. Eh, sikuambia, sisi tunaamini nabii. Parce que les prophètes, kwa kuwa nabii, c'est la voix pourvue par Dieu. Ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Dieu ne fait rien. Mungu hawezi fanya lolote. Sans révéler son secret. Bila kufunua siri yake. À ses serviteurs les prophètes. Kwa watumishi wake manabii. C'est pas moi qui l'ai dit. Si mimi naisema hapana. C'est Amos 3:7. Ni Amos 3:7. Et un jour Dieu est descendu sur la montagne. Il a parlé au peuple. Et les gens ont failli mourir. Même un animal qui pouvait s'approcher. Il était percé de flèche. Alors le peuple a dit. Dieu. Mungu. Parle par Moïse. Sema na Musa. Et Moïse nous dira ce que tu auras na dit. Musa tatuambia kenye ulimwambia. Dieu acta ce que le peuple avait dit. Mungu kakubali kile taifa lilisema. Alors Dieu envoie toujours des prophètes. Ni kusema kila mara Mungu anatuma kama nabii. Et chaque âge na kila kizazi a son message. Wana ujumbe wao. Si tu viens aujourd'hui avec un arche, tu commences à dire, oh non, je vais construire l'arche comme Noé. Kama leo nakuja na aina ya safina unasema najenga safina kama vile Noé alivyojenga. Nous allons te prendre. Tutakuchukua. Et t'amener à Karale pour examiner ta tête. Tunakupandisha Karale wachunguze kichwa chako. Parce que cette écriture est déjà accomplie. Kwa lile andiko tayari limetimilika. Amen. Amen. Si tu viens comme Jean-Baptiste, ukikuja kama vile Yohane Mbatizaji, habillé avec une peau de unavala je sais pas quoi, ngozi si juu ya nyama gani, mangeant les sauterelles, ukikula mipanzi, et un peu de miel, na asali kidogo, et en train de baptiser les gens dans le Jourdain, na huko unabatiza watu ndani ya Yordani, ou dans la rivière Ruzizi, ama ndani ya mto Ruzizi, repentez-vous, le royaume des cieux approche. Tubuni, tubuni, kwa kuwa kazabe Mungu nakaribia. Ce n'est pas la parole. Il est haiko neno. Tu perds ton temps. Wakati wako unaipoteza. Nous ne vivons plus dans cet âge. Hatuishi tena mukizazi kile hapana. Amen. Amen. Nous ne sommes même plus dans l'âge de Paul. Hatuko tena hata mukizazi cha Paulo. Nous ne sommes plus dans l'âge de Martin. Hatuko mukizazi cha Martin ama Colombo ama Kakolomba. Non, hapana. Ne sommes plus même dans l'âge protestant. Hatuko tena hata mukizazi cha Waporo. Non, hapana. Nous sommes à la fin des temps. Tuko kumwisho ya wakati. Et à la fin des temps, na kumwisho ya wakati, Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu ametutumia nabii pour rassembler tous les mystères de la Bible. Kwa ajili ya kusanya siri zote za Biblia. Et nous les inculquer. Yoka, atufundishe nazo ces mystères de la Bible. Zile siri za Biblia. Donc la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ni kusema Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Dieu prend cela. Mungu anavichukua vyote. Il zipe ça. Anavichukua. Et il met ça dans ton âme. C'est ce qui Amen. Te donne la foi de l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle les sept tonnerres de Jésus. C'est la puissance de création. C'est ce que Dieu a utilisé pour créer le ciel et la terre. Cette fois, il a trouvé l'occasion de donner ça aux humains. C'est ainsi qu'il a envoyé Frère Branham rassembler tous les mystères de la Bible, même tout ce
qui était laissé en suspens. Alléluia. Amen. Et donner cela à l'épouse qui doit aller au ciel. C'est la seule chose qui puisse vous amener à la translation. C'est la seule chose qui vous amène à la résurrection. Sans cela, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Même si vous avez tous les dons, même si vous prêchez bien, même si vous avez une bonne morale, si vous n'avez pas cela, le message de l'heure transformé en puissance, appelé Saint-Esprit, Saint-Esprit, pas au niveau de l'esprit, parce que l'homme est triple. Ici, nous avons l'âme. C'est ici que Dieu vit. Ici. C'est ça l'âme. C'est ça que Jésus est venu sauver. Et c'est ça vous. Voilà pourquoi tu dis ma main, ma tête, mon bras. Le moi là, c'est ça. C'est ça vous. Et c'est celui-ci qui a été créé à l'image de Dieu. Et il est invisible. Tu ne me connais pas. Tu connais mon corps. Et quand je parle, tu peux connaître un peu mon esprit par rapport à ce que je dis. Parce que l'esprit a cinq sens. Le corps a cinq sens. Mwili pia na hisia tano. Vous connaissez l'école, à l'école primaire, on vous a tout appris. Shule la msingi wale wafunza vyote. Il y a le toucher. Kuna kugusa. N'est-ce pas? Yes, hivyo. Il y a lui. Kuna kusikia. N'est-ce pas? Yes, hivyo. Il y a le goût. Kuna onjo. Il y a quoi encore? L'odorat. Kuna kunusa. Et? Kuona. La vue. Ce sont ces cinq sens. Yize isi atano. Qui font que nous entrions en contact avec le corps, disons l'extérieur. Tu peux écouter ce qu'on a dit. Grâce à ce que, à ces cinq sens, tu peux sentir l'odorat, nous disons l'odeur. Il a mis le parfum. Non, ça sent la fosse septique. Vous avez le goût. Vous savez que ça c'est le sel, ça c'est le sucre, ça c'est le citron, cet aigre, ceci et cela, c'est le goût. Vous pouvez écouter, comme maintenant là vous m'écoutez, n'est-ce pas? Ce sont vos pavillons là, vos oreilles, qui font que vous m'écoutiez ainsi. Vous pouvez toucher, ça c'est du bois, voilà, ça c'est votre corps, c'est la première, donc c'est l'enveloppe. Bahasha ama kifuniko. Mais ce n'est pas ça vous. Lakini si mwili si wewe hapana. Même si nous portons beaucoup d'habits dessus. Hata kama tunaivika mavazi mengi. Nous pensons que c'est ça vraiment être stylé. Tunawaza kama hivi ndivyo kuonekana kama unavaa vizuri. Alors que nous sommes en train d'habiller juste la partie extérieure qui ne coûte pratiquement rien. Les hommes de science ont calculé même la valeur de ce corps. Les éléments qui fabriquent le corps. C'est moins d'un dollar. Inakuwa chini ya samani ya dola moja. Pour un homme de plus de 1,80 m. Tena, ule ni mtu mwenye anakuwa na urefu wa zaidi ya meta moja na makumi nane. 0.8. Inakuwa sifuri. C'est moins d'un dollar. Inakuwa chini ya dola moja. C'est ça la science. Ils ont fait. J'ai suivi même le documentaire. Quelqu'un a incinéré un corps. Mutu moja kachoma mwili.
Et la poudre qui est sortie, c'était vraiment un petit rien là. Il a estimé le prix de cette poudre. C'était moins de 0.8 dollars. C'est rien. Aina hata samani moja. Aucune valeur. Samani hata moja haina. Voilà pourquoi quand on vous enterre, ona kunini sawa na kuzikaka, même celle qui t'a appelé chérie qui passait la nuit et dans ton lit. Ake ule manye alikuwa anakuita mpenzi na alikuwa analala nawe kitandani mwako. C'est toi mon étoile, c'est toi mon soleil, c'est toi yangu, wendo jua yangu. Elle va pleurer. Atalia ile sa. Mais ne sera pas dans ton trou. Lakini hamutena naye mwa ile tundu yako. Tu pars seul. Unaenda wewe peke. Vous voyez un peu? Unaona kidogo? Six mètres sous terre. Mètre six tatouchinius. Six pieds sous terre. Mètre moja na nusu hivi. À peu près deux mètres. Karibuni mètre mbili hivi. Six pieds sous terre. Voyez? Unaona? L'intelligence ici, c'est cet esprit ici. Hii roho sasa. Ce qui fait que vous ayez vos diplômes. Kenye inafanyika mnapata diplome zenu. Que vous puissiez avoir de l'orgueil. Ukuwe na kiburi sasa. Que vous pensiez être important dans la vie. Kamata kama vile unakuwa muhimu sana. Parce que vous avez la mémoire. Juu nakuwa na kumbukumbu. Une mémoire photographique. Tena kumbukumbu ya kunasa mambo kama vile kunasa picha. Vous pouvez vous vanter comme vous voulez. Unaweza jitapa kisu unapenda. J'espère que vous ne dormez pas. Naweza mkumu nalala. Vous avez la conscience. Unakuwa na hiyo zamiri. Ah, on fait du mal, la conscience quand même vous condamne quelque part. Unafanya mabaya unasema zamiri yako inakuhukumu fasi moja hivi. Cette conscience là, ile zamiri ile. C'est pas ça le Saint-Esprit. Haiko ndio Roho Mtakatifu ile hapana. C'est humain. Ni ya kanadamu ile tu. C'est l'humanité seulement. Donc si mtu iko vile. Quand tu vois quelqu'un qui n'a plus de conscience, on fait de mal, ça ne lui fait rien. Il peut tuer, ça ne lui fait rien. Il peut voler, ça ne lui fait rien. Il pille la société, ça ne lui fait rien. Même sa conscience est morte. Ce n'est même pas son âme. Être humain, quoi mon Adam, c'est avoir la mémoire, la, kumbu kumbu, la conscience, quoi na zamiri. Ici il y a les sentiments. Pale kuna ile hisia. Voilà pourquoi tu peux una kwa nini unaweza avoir l'empathie. Unasikia huruma. Hein? Tu peux même aimer. Unaweza fikia hata kupenda les gens de ta famille. Watu wa jamaa lako. Tu aimes ta femme. Unampenda mke wako. Tu aimes tes enfants. Unapenda wanako. Tu as des amis. Uko na warafiki zako. C'est pas ça le Saint-Esprit. Aiko ndio Roho Mtakatifu ile. Tu aimes ceux qui t'aiment. Unapenda wanaokupenda. Tu as beaucoup d'amis. Una warafiki wengi. On dit que tu es cool. Wanasema unakuwa mtu mzuri mzuri. Ça c'est quoi? Ile ni nini? C'est juste le sentiment. Ici à tout. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ile haiko Roho Mtakatifu hapana. Après cela, baada ya hiyo, il y a quand même l'imagination. Kuna ile kufikiri. Il y a l'imagination. N'est-ce pas? Je sais vio. Tu imagines, non? On a fikiri, je sais vio. Tu es intelligent. Où qu'on a akili? Peux imaginer. Nous a fikiri jambo flani. Oui, mais ça c'est le corps, c'est l'esprit. Ni roho kukiwango cha roho. Après cela, baada hiyo, nous pouvons avoir quoi encore? Nous a kwa nini tena? Hein? Raison. Oui. Et quoi encore? C'est 5 déjà. C'est 5 déjà? Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Voilà. C'est très bien. Vraiment. Ici, hapa, c'est l'esprit. Ni roho. Ça n'a rien à voir avec vous. Avec vous. Voilà, haïoustiki lolote na wewe. Ça, c'est ce que Inio. Votre première naissance vous a offert. Ambao kuzaliwa yako ya kwanza ilikupatia. Par l'hérédité. Kupitia. Il est usao ama damu yako tuseme. Et le sang de votre parent, damu ya de baba vos grands-parents, damu ya tate zako, votre corps ici, mwili wako, et votre esprit. Na roho yako. Mais ici, lakini humu ndani, c'est invisible. Akuonekana même si on vous coupe comme un poisson, hata kama wanakukata kama vile likayabo, pour rechercher ça, watafute nafsi, on ne va pas trouver. Hawataipata. Il est invisible. Aussi invisible que Dieu l'est. Mais réel. Lakini iko ya ukweli bayana.
Et il n'y a qu'un seul sens ici. Et le seul sens, c'est le libre arbitre, la décision, la voie que tu choisis. Soit, il y a un serpent à l'intérieur, l'incrédulité. Tu ne peux pas croire au message de l'heure. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit dans ton âge. Soit, c'est une colombe. Quand la parole de Dieu de ton temps sort, c'est comme si on te rappelle ce que tu avais déjà entendu. Il y a un amen qu'on ne force pas. Et cet amen t'amène à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et c'est cette colombe qui grossit. C'est ça. Quand tu reçois la vie là-bas, le Saint-Esprit, il commence à grandir. Voilà comment je vous ai lu. Branham dit, si vous négligez de nourrir le Saint-Esprit par la parole, par des louanges, des adorations, des chansons, des témoignages, il mourra. Il t'a koufa. Hey. Comprenez un peu ça. Donc vous êtes invisible. Hein? Cette tétutesse là, il est kiburi kiburi il est. Ça vient de là. Il a toqué ni mule ndani. Ici, hapa. Frère Branham va plus loin, il dit. Branham n'a pas dit na sema. Si ce n'est pas la foi, kama haiko imani qui est là, ambayo inakuwa humo ndani. Alors c'est l'incrédulité. Basi ni kutokuamini nayo kuwa humo ndani. Quand c'est la foi, la foi devient le maître de la maison. Et c'est la foi qui grandit. Quand la foi atteint la maturité, la foi et l'amour sont ensemble. Alors tu deviens un temple vivant dans un corps qui est un housing, ambayo inakuwa housing. Mais toi là, lakini wewe mule ndani, tu es éternel, uko wa milele, immortel, asiyekufa, invincible, asiyeshindwa. Rien ne peut te vaincre. Wala hakuna kinachoweza kukushinda. Et la puissance de création, na nguvu ya umbaji, vit en toi. Inaishi mule ndani yako. Tu peux créer comme Dieu. Unaweza umba kama vile Mungu anavyoumba. Tu es Dieu parce que tu es son fils. Wewe uko Mungu kwa kuwa unakuwa mwana wa Mungu. Amen. Tu peux faire de grandes choses. Unaweza fanya mambo makubwa. Et d'autres choses, il arrête seulement pour que tu ne puisses pas. Tu ne puisses pas créer d'autres planètes pour aller vivre une vie privée. Mais la puissance qui est en toi peut le faire. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous autres, nous avons écouté la voix du septième ange, William Marion Branham. C'est Dieu qui l'a envoyé pour rassembler toutes les promesses. Il a rassemblé tous les mystères. Christ. Christo. Voilà comment, quand tout s'est rassemblé, ça a donné l'image transfigurée de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que ce message, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Ici, hapa, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, tunamwamini Bwana Yesu Kristo, comme étant akiwa, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, le Dieu des prophètes, Mungu wa manabii, l'invincible. Yule asiyeshindwa. Il a créé toutes choses. Aliumba kila kitu.
C'est lui la parole. Yeah. Alléluia. Amen. C'est lui l'invincible. Yeah. C'est lui le roi. Yeah. C'est lui le Seigneur. Yeah. C'est lui le rédempteur. Yeah. C'est lui la joie des anges. Yeah. Alléluia. Amen. La famille au ciel s'appelle Jésus. Jamais, la famille sur terre s'appelle Jésus. Et c'est pour lui que nous sommes ici. Na, à qui irions-nous? Prêcher le samedi 4 juillet, 4 juin 60. 48. Les 7 raisons pour lesquelles nous devons le recevoir maintenant. Sababu ambazo zinapaswa chote tunampokea kwa sasa. Recevoir qui? Kupokea nani? Christ. Christ. Jésus, le Saint-Esprit. Rome takatifu. Frère, c'est sérieux. Ndugu, hii mambo kwa dilifu. C'est très sérieux. Ni adilifu sana sema. C'est plus que distribuer et donner à chacun 100,000 dollars. Amen. Amen. Hii mambo hapa inashinda kugabulia kila mtu mwenye huko milioni moja ya dola. Soyez dans un état où on est en train de distribuer la plus grande richesse qui mettra fin à ta pauvreté. Amen. Utajiri kubwa ambao itakomesha umaskini wako. C'est comme ça qu'il faut écouter ce message. Hivyo ndivyo inabidi kusikia ujumbe hii. Pas dans cet état là de mollesse. Hapana mwa ile hali ya uzembe huko ndani. En train de bailler. Uko na baie. Gêné. Unajisikia unasumbuka. Comme si vous êtes venu pour rentrer après une minute. Il y a un frère qui m'a appelé de l'Alaska. Il dit, pasteur, je me demande comment les gens peuvent se gêner. Ici nous avons besoin de prédications de 3 heures, 4 heures. Si tu n'as pas dit ma obéir à ma sama, tatu ma sama ine. Parce que nous en avons besoin, nous n'en avons pas ici. Alors, quand nous vous ouvrez là-bas, nous voulons que vous fassiez 3 heures. Là, nous sommes nourris. Et nos lacunes disparaissent. Amen. Na shida zetu zinatoka. Et nos vies changent. Na maisha zetu zinabadilika. Et des miracles se font dans nos vies. Son épouse avait un AVC. En écoutant. Cette parole change les choses. Elle travaille. En écoutant. J'ai honte à votre place de venir à l'église juste pour écouter la musique et après cela ronfler. Après avoir suivi toute la nuit votre série télévisée. Idolâtre. Et quand je dis cela, oh non, tu es dur. Tout ce que vous placez en première position, c'est cela votre Dieu. Ce que vous entendez ici, Daniel voulait l'écouter. Tous les saints voulaient l'écouter. Tous ceux qui ont vécu avant nous voulaient voir. Frère Branham voulait voir la colonne. Il voulait connaître comment Dieu ressemblait. Nous, Dieu, nous a montré sa face. Et ça, c'est la photocopie des photocopies des photocopies. C'est exactement ça. Alors que Moïse, nous, il n'a vu que le dos. Mais toi, tu vois la colonne de feu. C'est ce que Jean a dit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
kuwa nuru ya wanadamu. Cette colonne de feu ne reste pas sur la photo. Elle vient toujours m'envelopper. Elle cherche un cœur sincère. Elle cherche un cœur sincère. Elle cherche à se frayer une voie pour entrer, pour entrer dans votre cœur. Mais négligent, arrogant, des fois impoli. Il se dit, mais quand est-ce que je vais entrer? Comme ce matin, le Seigneur me dit, intercède pour ce peuple. Ce que je mets dans tes mains. Merci Jésus. Merci Seigneur. S'ils peuvent s'humilier. Je suis prêt. S'ils peuvent discerner ça. Kama wangi kipambanu watu. Je suis prêt. Mimi niko tayari. Oui, Jésus. Mais la plupart d'entre vous, lakini wengi vous montrez un visage, wanaonesha uso moja. Mais à l'intérieur de lakini vous, umo ndani yenu. Vous êtes gêné. Munasumbuka, munajisikia munasumbuka. Je vous ai dit, mes amis, ne vous sentez pas troublés, gênés, tout ça. On ne garde jamais les gens par la peur ici. Non. Si vous n'avez pas la révélation, je le redis, si vous n'avez pas de révélation, que ça c'est votre église, et que c'est moi votre pasteur, si Dieu ne vous a pas révélé cela, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'assemblées et beaucoup d'hommes de Dieu plus puissants. Moi je ne suis qu'un petit grain de sable au bord de l'océan. Cherchez quelqu'un que vous allez aimer, que vous allez obéir, en qui vous allez mettre votre Amen. Confiance, parce qu'il va vous conduire au ciel. Je suis sincère. C'est ce que je dis là, c'est ce que mon cœur vous dit. Tena inatoka ndani ya moyo wangu kinachowaambia. Franchement, hakika. Pourquoi je dis cela? Parce que vous voyez, si vous n'avez pas confiance en moi à 100%, vous allez tout perdre. Et je n'ai pas envie que vous perdiez tout. Et quand Dieu dit tout perdre, ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez perdre toute votre famille. Vous pouvez perdre tout, même votre travail. J'ai le numéro matricule. On peut juste te choisir comme ça. Et on te jette à la poubelle. Sans raison. Pourquoi? Alors, je vais vous éviter ça. Si Dieu ne vous a pas révélé que ceci est votre église et que ce bout d'homme est votre pasteur, franchement, trouvez-vous un pasteur. Il y en a de merveilleux. Je vous dis vrai. Je ne me moque pas de ces vrais. Il y a des vrais hommes de Dieu. Parce que ça doit être une révélation. C'est comme se choisir une femme. Il y a plusieurs beautés. Mais pourquoi seulement cette femme-là? Pour ton mariage. Est-ce qu'elle dépasse tout le monde? À tes yeux, ça doit être cela. À tes yeux, ça doit être la seule et unique femme au monde qui puisse être jolie. C'est ce qu'enseigne Fawanam. Il dit, je vais vous présenter la plus belle femme du monde. Il a pointé Meda. Pensez qu'il a menti. Merci Jésus. Il y en avait d'autres.
Apparemment plus joli. Toutes les formes du monde. Mais il n'avait pas de place dans son cœur. C'est la même chose dans le choix d'une épouse. Il dit vous devez choisir votre église comme vous choisissez votre épouse ou votre époux. Chagua kanisa lako, kisu nafasi chagulia mke wako ama mume wako. Ne forcez personne. Musi mukaze mtu yeyote. Parents, ne forcez pas votre fille. Wazazi, na wasi musi wakaze mtu. Ne forcez pas votre garçon. Musi mukaze kijana wako. Si tu veux l'argent de poche, kama unataka niko nakupatia pesa, sois baptisé. Baptise leo. Ce n'est pas la parole. Ile haiko neno hapana. Si tu veux être mon ami, kama unapenda kuwa rafiki yangu, sois baptisé. Baptisiwe. Non, non. Hapana vile. Là nous formons des hypocrites. Pale tunawafunza, tunatengeneza wanafiki. C'est Dieu qui touche le cœur. C'est ainsi que nous voyons des enfants qui deviennent des pédés, des lesbiennes, des papillons de bas, alors qu'ils les ont vécu dans l'école des dimanches. À cause de vous, vous avez forcé. Au lieu de prier, de réclamer leurs âmes à genoux, mais ces enfants vous observent. Votre vie n'est pas une prédication. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Mais vous lui dites de se faire baptiser. Pour devenir hypocrite comme toi, jamais. Jamais de la vie. Et d'autres qui sont là, ils viennent à l'église, tristes comme je ne sais quoi, comme si la tristesse va lui apporter quelque chose. Laissez-moi vous lire ce que j'ai eu. Je prends la loi avant de poursuivre. 18. Du 15 janvier 55. Paragraphe 18. Hein? 18. Maintenant, Paul parle ici de la vallée. Ou plutôt de l'ombre de la loi qui étant une ombre de bien avenir. Ouais, je sais qu'il fait chaud. Sinon, levez-vous si vous avez chaud. Une ombre de bien avenir. Ne pouvant nullement rendre parfait celui qui rend ce culte. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une très grande foi. Voilà, sina imani ya kutosha. Je ne suis pas un très bon chrétien. Voilà, comme Christo mzuri kabisa. C'est ce que beaucoup de gens se disent ici. Watu wengi wanajiambiaka hivyo. Et voilà pourquoi vous n'évoluez jamais. Na kwani ni msongoke mbele kamwe. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. Je suis faible. Je n'ai pas une grande foi. Vous parlez son langage. Je suis en train de lire le prophète. Voyez-vous? Vous ne devriez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Même si j'ai dit quelque chose de dur, dis amen. Amen. Oui, Seigneur. Tu vas me donner la force de vivre ça aussi. Mais ne dis pas que non, ça je ne peux pas. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Voilà le langage des chrétiens. Je crois en lui de tout mon cœur. Voyez-vous dans la guérison divine de tout mon cœur. Écoutez, que tout le temps votre témoignage et vos pensées
Ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible, quand ça commence, n'entretenez pas cela. Eh bien, vous direz, je ne peux m'empêcher d'avoir des pensées. Que les pensées viennent. Eh bien, c'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait empêcher, qu'il ne pouvait empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher ou de nicher dedans. Ainsi, c'est une bonne chose, voyez-vous. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir. Mais ne les entretenez pas. Ignorez-les tout simplement. Pas du tout. Jésus est mon sauveur. Tout m'appartient. Même si vous n'avez rien. Tout m'appartient. Amen. Pourquoi ça? La Bible dit Christ, Christ est le souverain sacrificateur de votre confession. J'aime ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je reçois un monsieur. Dans mon cabinet. En tout cas, un gaillard, là, on dirait quelqu'un qui faisait un peu de sport. Un jeune, tout frais. Fier de sa jeunesse. Il est là, on cause bien là. Il commence à me parler de sa vie, sa maladie, ce qu'elle ressent dans son corps. J'ai compris ce qu'il avait. J'ai fait quand même les quelques bilans à faire. Tu vas au laboratoire. Est parti. On m'a amené les résultats. Il était le même. Toujours joyeux, heureux, en train. Il parlait plus que moi. Il y a des gens comme ça. Pourquoi pas tout va ville? Comme si c'est lui qui veut vous apprendre. Je l'ai regardé. J'ai dit, mon frère, tu as un diabète. Ouais, on a des diabètes, donc de découvertes fortuites. Tu atteins déjà un niveau, il faut vraiment l'insulinothérapie. En bas, on n'a pas chance à porter d'awa. L'insuline, parce qu'il faut que le corps cétonique sorte, sinon tu auras des problèmes. Les organes internes, les viscères vont s'abîmer. La situation sera grave. Si tu ne prends pas ce traitement, la joie est devenue la tristesse. Et après un moment, il est tombé évanoui. Il fallait le réanimer. L'homme qui faisait du bruit, il est sorti, réanimé. Il ne pouvait pas tenir sur deux pieds. Même l'intelligence était embrouillée. Pourquoi ça? Il a appris quelque chose. Ah, contraire à ce qu'il pensait. Salami Oli. Ika munyorosha kukitanda. Et faut un homme dire. Si maintenant même. Kama sai apa. Je disais aux gens ici, toi là. Tu as un cancer, una cancer et tu n'as pas à vivre longtemps. Na utaishi muda mrefu tena. Toi, tu penses que tu vas t'élever? Una utasimama pala konekala. Les diacres vont t'amener quand washemasi watakunyangulo shakuwa buibui. Alors que tu es venu énergie. Wakati ulikuwa na nguvu yako yote. L'information va te travailler. Habari uliyopata itakutumika. Merci Jésus.
Et on va se demander, mais où est le foufou que tu as mangé là? Et peut-être que même tu vas faire la diarrhée. Juste parce que tu viens d'apprendre que tu n'es pas aussi normal que tu le croyais. Alors prenez ça au sérieux. Merci, pasteur. Je suis venu accompagner les gens sur la terre. Et malchanceux. Tu crées toi-même ça. Ouais, moi, on a jumbi à vivre et tout. Aucune chance dans la vie. Ah, c'est quoi, n'abat, c'est comme mon mari chamier. Dieu sachant ce qu'il a placé en toi. Mungu akijua kinyalitia. Et le diable sachant que les paroles d'un homme. N'achète les kijua comme maneno ya mutu. Dieu les endosse. Mungu anazikubalia. Satan profite de ça. J'ai tenu la faillite à mouiller le mambo. Il sait que lui ne peut pas créer. Mais il sait que s'il vous fait dire des choses, il va créer. Akikusukuma useme mambo zitaumba. Satan le sait. Et si vous vous parlez kama à son compte, yake, ça va arriver. Mambo parce que lui n'en a pas. Hana Dieu lui a privé de parler. Ile ya et que la chose arrive. Na alors il vous vole sasa, na votre capacité de parler. Yako ya kusema. Parce que vous êtes des créateurs. Tu peux créer le négatif. Tu peux créer le positif. Cette femme n'est pas belle. Hein? Le diable te dit ça. Que tu puisses dire ça à ta femme. Toi, tu penses que c'est toi que j'allais épouser. Regarde son nez. Satan t'amène à la détester. Et chaque fois que tu verras son nez, tu verras peut-être deux routes, disons, parallèles là-bas. Alors que non. Satan t'a menti. Et cette femme-là va développer un complexe. Elle ne voudra même pas se faire voir en public. Elle va rester sale. Parce qu'elle sait que son nez remplit le visage. Son mari le lui a dit. Elle croit à ça. Attention, mes amis. Beaucoup de gens sont prisonniers à cause de choses pareilles. Tu as dit à ta femme qu'elle est la pire des femmes, elle est insoumise. Jamais ne sera plus soumise. Tu as créé l'insoumission à elle. Elle veut faire quelque chose, dit bien. Je suis insoumise, non? Est-ce qu'on me comprend? Écoutez le prophète. Voyez-vous? Ne pouvez-vous pas empêcher les pensées de venir? Oui, mais ne les entretenez pas. Ignorez-les tout simplement. Pas du tout. Jésus-Christ est mon sauveur. Tout m'appartient. Avec Dieu. Et je vais les garder. Je vais en rendre témoignage. Quand on a prié pour vous, commencez déjà à témoigner que vous êtes guéri. Avant même de sentir les effets de la guérison. Monsieur, ça va?
Mais je suis guéri. Et bon, et puis, ah, ni chaque pont na zamani. Toi, tu as une vieille histoire alors. Il est libéré à zamani beona you. Moi, je suis guéri. Il est libéré à zamani. C'est ce que Dieu veut que vous disiez. Chaque moment on a peine à mon cœur, on a ses maquillés. Amen. Dieu ne peut pas vous bénir. Mungu hawezi kukubariki. Écoutez, Dieu ne peut vous bénir. Mungu hawezi kukubariki. Dieu ne peut vous bénir. Mungu anaweza kubariki tu que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Na ni wakati tutaanza kukiri ya kwamba Mungu alishakubariki. Dieu ne peut vous bénir. Mungu anaweza kubariki tu que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Kama unakiri ya kwamba alishakubariki. Voyez-vous? Unaona? Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Yeye ni kuhani mkuu wa makirio yetu. Et c'est juste. Cheni kweli ile. Hébreux 3, il a dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptons. Le croyant et le confessant. Trois choses. Nous l'acceptons, nous le croyons et nous le confessons. Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. Prenons la résurrection de Jésus. Prêchez le jeudi 5 avril 56. Nous sommes un peuple heureux. Hein? Nous connaissons le plan de Dieu. Nous connaissons les tactiques du diable. Nous savons comment marcher. Comment les dribbler. Comment les craser avec la parole. C'est merveilleux, hein? Paravent. Mais comment cette personne divine pouvait-elle? Voyez, ils avaient manqué de connaître la parole de Dieu. Il n'y avait donc rien à faire sinon accomplir leur désir de connaître. Alors, quand ils prenaient le virage, pendant qu'ils marchaient, découragés, certaines femmes avait été à la tombe. C'est à la résurrection. Hein? Et elles ont dit qu'ils n'étaient plus là. Mais eux n'avaient pas cru cela. Mais ils poursuivaient simplement leur route. Très découragés. Et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragés que le diable peut vraiment en déverser sur vous. C'est alors qu'il vous attrape. Si vous venez à l'église et que vous dites, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. On a prié pour moi deux fois. Oh là là. Vous feriez tout aussi mieux de rentrer à la maison. C'est tout. Mais quand vous pouvez mettre cela de côté, point. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Souvent de ce côté, je vois des gens renfrognés. On dirait qu'il y a la rangée des renfrognés. Et il se contamine mutuellement. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux. Qui peut être heureux sans rire? Qui peut être heureux renfrogné? Tu viens du bureau du président. Il te dit, mon ami, j'ai tellement confiance en toi. Hein? C'est toi qui deviens. Le ministre
des affaires internes. Wa mambo ya ndani. Vous n'allez plus sortir comme vous êtes entré. Basi utatoka mule mu office ya rais kisulingia amo. Si vous êtes entré comme ça. Kama ulingia unakunja kichwa. Utatoka na nyangula mabega yulu. Ministre. Pourquoi? Kwa nini? Il y a une information qui vient de passer. Kuna habari ambayo inaingia ndani yako. Mais je vous dis la vérité. Si ukweli, l'information peut changer quelqu'un. Habari inaweza badilisha mtu. Écoutez ça. Sikiliza hii. Quand vous êtes découragé, wakati unakatishwa le diable peut vraiment déverser sur vous. C'est alors qu'il il vous attrape. Ni pale ndipo anakunasa sasa. Si vous venez à l'église kama unakuja kanisani, et que vous dites, na unasema, eh bien, vema, je ne sais pas si, si, jue kama, si je vais aller mieux ou pas. Si kama ndapona wala aje. On a prié pour moi deux fois. Oh là là, vous ferez mieux tout simplement de rentrer à la maison. C'est tout. Mais quand vous pouvez mettre cela de côté, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrogné. Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Pourquoi vous êtes découragé? Pourquoi vous êtes découragé? Il y en a d'autres qui doutent même quand j'ai dit que c'est fini cette histoire-là. J'ai prié. J'ai confessé. Dieu a endossé. Amen. L'Union européenne est en trouble. Les États-Unis troublés. Tous les tueurs sont troublés. Même quand ils prennent leur machette, ils tremblent. D'autres fuient. Amen. Mais toi qui es ici, il se prend pour qui? Mais il est Dieu. Dieu donne naissance au Dieu. Amen. Dieu a dit, prononcez la parole. Je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Où est mon problème? Je n'ai pas mis un copain. S'il ne veut pas le faire, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je devrais faire. Et je continue à le dire. C'est déjà fini. Amen. Amen. Si vous saviez, mungelikuwa najua. Que Dieu vous ouvre les yeux. Mungu afungue njo macho. Vous savez mes frères? Unajua ndugu zangu. Frère Branham dit hein. Branham anasema un lot. Lot moja. C'était Saint Abraham. Ilikuwa kuchanga wa Abraham 100 pamoja. Hein? Un Abraham. Ah, Abraham moja ilikuwa kuchanga wakina Lutu 100. C'est comme cela, non? Hivyo ndivyo iko. Un lot égale 100 Abraham. Non. Abraham un moja. Abraham égale 100 Lot. Ni wa Lutu 100 kuwachanga pamoja. Alors qu'en les voyant, sasa usona waangalia hivi sasa. Tu peux choisir Lot. Unaweza kuchagula Lutu kimutizama. Il est raffiné. Asa unjo mwenye ananyoroka huyu. Comme il est raffiné, c'est le nyoroka huyu. Ah. Alors que wakati, un seul Abraham, Abraham mmoja, c'est sans Lot. Ni kuchanga wakina Lutu 100.
C'est comme un seul billet de 100 dollars. Et un billet de 1 dollar. Ça se ressemble. Mais ce n'est pas le même chiffre. Si tu as la foi de 1 dollar, ne doutez pas quand même de 100 dollars. Moi je vais avec 100 dollars, je prends des choses. Toi tu vas avec 1 dollar, tu prends un bonbon. Ouais, mimi na kena dola 100 na kamata mambo mengi. Wana kena dola 1 na nunua ni pipi moja. Frère Baram dit dans l'adoption. Il y a des dons de grande envergure. Kuna kuwa karama za kabambi kabambi. C'est dans l'adoption. Ah. Et les dons de petites envergures. C'est le prophète. Ton doute ne va pas arrêter ça. Cette parole continue sa route. C'est comme quand tu prends un caillou, tu jettes sur le lac. Ça forme l'onde, l'onde, jusqu'à ce que ça cogne à Goma là-bas. L'onde continue. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça la parole de la foi. Hey. Continuons. Et cesse de dire à ta femme n'importe quoi. Insoumise-toi. Tu es en train de la rendre insoumise. Toi, tu penses que la lune a la lumière? Non. La lune projette la lumière du soleil. Et la Bible n'a jamais dit, femme, aimez vos maris. La Bible a dit, homme, aimez vos femmes. C'est cet amour que tu lui donnes qu'elle va refléter vers toi. Vous voulez gâcher la nature. Tu n'aimes pas et puis tu veux être aimé. C'est toi qui dois produire l'amour. Et l'amour ne se dit pas, ça se vit. Quand on aime, on sait voir que cet homme m'aime. Il y a des femmes ici qui souffrent. Ils n'ont jamais reçu un cadeau de leur mari. Ici même. Ils ont des cadeaux des autres amis. Jamais son mari n'a pensé à elle. Honte à vous. Amen. Le pasteur, non, j'ai dit la vérité. Ce sont ces choses-là qui donnent la vie. Écoutons Jésus. Quand moi j'ai lu le message, j'écoute Jésus. C'est vrai, mes frères. C'est où encore là? Ah. Les soucis causeront le cancer. Qui a des soucis ici? Mais je vous vois. Ainsi dit le Seigneur, vous aurez un cancer. À moins que vous reniez ça tout à l'heure. Il n'y a aucune vertu dans les soucis. La colère causera le cancer.
Kasirani itakuletea kansa. Qui est colérique parmi vous? Nani wa kasirani kasirani humu miongoni mwenu? Déjà regarde à côté. Watu kwa angalia pembeni pembeni banduku. Et qu'on ne me discerne pas. Basi ni pambanue humu. Alors que vous savez que c'est vous. Wakati unajua kama wewe ndio unahusika. Cette colère là. Ile kisirani kisirani ile. Vous ne savez pas ce que ça fait. Hein? Le Satan est content que vous restiez colérique. Pourquoi? Parce que vous aurez un cancer. Et quand vous aurez ce cancer, ça va diminuer votre longévité. Vous partirez vite. Et vous irez en enfer avec. Ne soyez jamais bouleversé. Usiwe kama wa kuvurugika. Soyez pas bouleversé. Jamais bouleversé. Usiwe kama wa kuvurugika. 2 mois sans salaire. Miezi mbili sipokee. Jamais bouleversé. Kisha nisivurugike. Et les diacres disent qu'ils n'ont rien. Na Shema sina wananiambia haona lolote. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sasa Mungu anakuambia nini basi? Il y a des gens qui ne connaissent même pas comment parler à Dieu. Frère, vous savez, moi j'ai honte. Je n'ai pas ça dans ma nature. Aller vers quelqu'un dire donnez-moi. Non. Je sais que c'est à moi de donner. C'est une loi qui est à moi. Comment toi c'est le contraire? Quand ça manque, ça on a je m'agenouille. Je sais que mon père écoute. J'ai une connexion directe avec lui. Connexion grâce au Calvary. Il y a cette fibre optique là. Kuna hiyo singa ya kupitisha connection. Il n'y a pas de coupure de réseau. Kukatika ya mtandao hakuna. Allô papa, allô fils. Allô papa, allô mon ami. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Hapa unahitaji nini? C'est ça un chrétien. Jamu Kristo ule. Hey. Ne soyez jamais bouleversé. Usivurugi kake kamwe. Aïe, aïe, là, je vois beaucoup de bouleversés là. Naona watu wengi wanaovurugika humu. Beaucoup de bouleversés. Wanaovurugika ni wengi sana. Allez, dites-moi maintenant. Sa uniambie sasa. Depuis que tu as commencé à être bouleversé. Tangu ulikuwa tu vile gisi huko wa kuvurugika. Commençons par ici. Allons partout là. Twende huko ku TV. Qui a gagné quelque chose parce qu'il a été bouleversé? Nani mwalishaka pata kitu fulani juu ya kubabaika babaika. Qui? Nani? À part l'insomnie, c'est pourquoi tu causes on a usingizi. Les palpitations, moi on a kupiga piga. La colère, kasira ni nakuwa mingi. Le manque d'appétit, na unakosa kula chakula, unakuwa miali. Tu deviens un gréchin. Eh. Sœur, ça va? Ah. Qu'est-ce que je t'ai fait? Eh, ni pocha fanya nini? Et venir accompagner les autres. En disant cela, tu crées la chose. Pale, pale, jambo lenye unaliumba ndani mwako. Alors tu accompagneras les gens. Pale, juu utaanza sindikiza watu wengine tu. Quelqu'un m'a dit, tu m'as kaniambia, les gens parlent mal de moi. Watu wananisema sema mubaya. Ils parlent derrière, ils sont derrière mon dos en train de parler. Wanakuwa mugongo wangu mko wananisema sema. S'il est derrière ton dos en train de parler, donc toi tu es devant lui. Kama kuna sema mugongo yako, nikusema wewe uko mbele yake. Dites-moi. Muniambie sasa. Quelqu'un qui parle dans ton dos. Mtu mko anakusemia mugongo. Toi tu es où? Wewe uko wapi basi? Tu es devant, non? Suko mbele. Laisse-le parler dans ton dos. Acha nene la sema mugongo yako. Continue ta route. Na nelea njia yako. Amen. Marchez simplement dans l'amour. Wewe tembea tu ndani ya upendo. Hallelujah. Amen. Marchez simplement dans l'amour. Wewe tembea tu ndani ya upendo.
Marchez simplement dans son amour. Amen. Sachant que vous marchez en lui. Que rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. C'est Dieu qui te parle. Qui t'a dit que ta vie n'est pas de bandeau? Nani malikwambia sema maisha yako ni tu bandro ifungule. Ta vie dépend de la MONUSCO. Maisha yako ni tu MONUSCO ikuwe tu pale. Qui t'a dit ça? Aliye kwambia vile ni nani basi? Ta vie dépend de Dieu. Maisha yako Mungu mwenyewe anashughulika. C'est Dieu qui a le dernier mot. Nani Mungu na neno la mwisho mwenyewe. Si tu crois à cela, kama naamini hiyo, alors ton problème est terminé. Basi shida yako wewe imemalizika. Merci Seigneur. Aucune puissance. Hakuna hata uweza moja. Alléluia. Amen. Ni les choses présentes. Hata mambo ya kisasa. Ni les choses à venir. Hata mambo ijayo. Rien ne peut nous séparer de lui. Hakuna kinachoweza kututenganisha na yeye. Nous sommes en lui. Et nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. Merci Jésus. Wala hatu kuingia kandani yake kwa kutaka kwetu wenyewe. C'est lui par le choix. Ni yeye mwenyewe kupitia kutuchagua. Hey. Qui nous a élus et nous a fait entrer en lui. Akatuchagua mwenyewe. C'est donc à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Kumbi ni kwake mwenyewe kushughulikia mizigo aliyojitwika mwenyewe. Je n'ai jamais cherché Jésus. Sijawahi tafuta Yesu mie. J'étais dans mon caniveau. Nilikuwa mumferegi yangu. Il est venu me ramasser. Akakili logotea amo. S'il ne sait pas me prendre en charge, hawezi kunishughulikia. Alors il est incapable. Basi yeye hawezi lolote. Tu étais catholique. Où les quoi catholique? Tu priais rosaire, tu allais jeter. Où les sali rosario? C'est là. Où les sali qui n'a qu'il. Oh Marie Mère de Dieu, tout ça. Il t'a appelé. Ah, kakuita la ville bien combiote. Et puis, Kisha, il refuse de te prendre en charge. Ah, katale kushuguliki ya kweli. Tu étais dans des bars. Où les quoi nani ya ma bare? Il y a des gens qui parlent dans les bars te donnaient même 50 et 100 dollars. Kuna kwa watu mu mabara walikuwa wanakupatia hata dola 50, wanakupa dola 100. Avec quelques maladies bien sûr. Na tu magonjo wanakuachia. Et la honte dessus. Na haya unabeba. Mais pour vous ça ne disait rien parce qu'il y avait 100 dollars. Lakini kwa kombi kwa mbia kitu juu ulipata dola 100. Quand Jésus t'a croisé. Sa Yesu alikutana na. Tu as regretté cette sale vie. Ukaacha ile maisha ya uchafu. Et maintenant que tu es là, na unapokuwa hapa sasa, tu es renfrogné. Unakuwa kufunga sura. Comme si Jésus manquait l'argent. Kama vile comme si Jésus manquait comment te prendre en charge. Inakuwa kama vile Yesu anashindwa kushughulikia kweli. Je vais vous poser la question. Acha nibaulize kwanza. Est-ce que vous pensez que Ruth était une fille? Mnaweza kwamba Ruth alikuwa ka binti. C'était une femme mariée dont le mari était mort. Mwanamke aliyeolewa. Et son mari était mort. Na mume wake alikuwa amefariki. Rahabu. Elle était prostituée. Yeye alikuwa kanjo kahaba. Elle avait plusieurs maris par jour. Alikuwa anapata mabwana mingi kumchana moyo. Marie Magdala. Maria Magdala. Beaucoup de maris par jour. Mabwana mingi kusiku moyo. Mais quand Jésus a pris soin de ces gens. Lakini Yesu alipowashughulikia wale watu. Qu'est-ce qui vous prend? Nini kinawakamata basi? Toi tu penses que c'est parce que tu es bon que Jésus t'a aimé. Il t'a choisi. Il t'a aimé. Et il sait prendre soin. Alléluia. Amen. Il sait prendre soin. Nous ne l'avons pas cherché. C'est lui qui nous a cherché. Et il nous a trouvé. Écoutez, Skiliza. C'est donc à lui de prendre soin
de ce dont il se charge. Alléluia. Amen. Nul ne peut les arracher des mains de mon Père. Car il est le plus grand de tous. Amen. Amen. C'est le Père qui s'en occupe. Quand tu vas comprendre ça, tu vas chercher de faire du bruit inutile ici. Et passer de maison avec des sachets. C'est une honte même, non? Où est ton Dieu? Tout ce temps, je vous prêche la foi. Où est cette foi? Moi, quand je m'agenouille, je prie. Je lui fais confiance. Et je le laisse. Je vais voir comment il va échouer. Jamais il ne pourra échouer. Même si vous refusez de donner vos dîmes et vos offrandes, jamais il ne m'abandonnera. Jamais de la vie. Vous appauvrissez vous-même. Pensez que c'est pour moi que je vous demande tout ça. Il parle trop d'argent. Honte à vous. Frère Branham dit, je l'ai dit pour vous aider. C'est lui qui n'a pas saisi cela. C'est lui qui n'a pas saisi cela. Il s'attire des problèmes pour rien. Il s'attire des problèmes pour rien. Oh Jésus. Ni ne peut les arracher des mains, les mains de mon Père. Il est le plus grand de tous. Amen. C'est le Père qui s'en occupe. Qui a plus de puissance. Qui a plus de puissance que Dieu. Ainsi, sous quel genre de puissance vous êtes-vous soumis? Qu'elle s'occupe de vous. Comment quelqu'un qui est dans Rotary Club? Il est dans l'Ince, il est dans ceci, les Illuminati. Comment ces gens peuvent être riches au-delà du besoin? Comme si leur Dieu était plus fort que le vôtre. C'est une honte. Sortons notre Dieu de l'histoire. Amen. Sortons notre Dieu de l'histoire. Aujourd'hui, Léo, il faut qu'il sorte de l'histoire. S'il faut bousculer les gens pour que toi tu entres, Amen. Il faut le faire. Je crois au Saint-Esprit seulement, mais je ne crois pas à l'argent. Tu ne crois même pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus compliqué. Le salut. Wokov. Changer un bandit en saint. Mais c'est plus compliqué. Si nguvu sana. Que créer quelques billets. Kuliko kuumba ma pesa kidogo hivi. Que te pousser quelqu'un pour que tu deviennes directeur. Kuliko kusukuma mtu akuwe directeur. C'est plus facile d'être PDG directeur que d'avoir le Saint-Esprit. Iko raisi kuwa president director kuliko kupokea roho mtakatifu. Ah, tu le dis seulement. J'ai dit la vérité. Niko nasema ukweli. Amen. Sous quel genre de puissance vous êtes-vous soumis pour qu'elle s'occupe de vous? Toutes les puissances qui ont créé l'univers
Amen. Amen. Cela a pris le système solaire. Maintenant, Frère Branham souffle. Il a soufflé comme cela. Et chaque étoile a occupé sa place. Est-ce qu'il ne peut pas souffler? Est-ce que tu n'es pas une étoile? Est-ce que Job ne t'a pas vu? En train de pousser des cris de joie. Pas à sa haute sa furaha. S'il fait seulement ouf. A qui fonya tout ouf. Est-ce que chaque étoile ici ne veut pas prendre sa place? Chaque étoile ici ne veut pas prendre son mari. Tu es guéri, hein? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et celle qui était venue de Kalemi là, incurable là, elle est guérie aussi. Hein? Madame Malto Kalemi là, elle est pas ta coupona. Elle est déjà rentrée. Acharudia. Ah Jésus, tu es bon. Yesu, comment est ma sana? Qu'est-ce que je ne vois pas ici? Nini sijawahi kuona hapa. Cela a pris le système solaire. Il est mfumo wote wa jua. Branham souffle. Il a soufflé. Comme cela, et chaque étoile a occupé sa place. Certainement. Hakika. Et il veille sur vous. Na anakesha juu yako. Je ne veille pas sur moi. C'est lui qui veille sur moi. Ndugu, mimi mwenyewe sijichungake. Mimi mwenyewe sikisha juu yangu. Ni yeye mwenyewe anakesha juu yangu. Il veille sur moi. Anakesha juu yangu. Il veille sur moi. Anakesha juu yangu mwenyewe. Merci Jésus. Avant-hier, l'enfant était mourant. Juzi mtoto mmoja alikuwa karibu ni kufa. Il avait déjà les yeux révulsés, il était déjà. Macho alikuwa amegeuka, mikono na nyoroka. En coma, en train de gasper, il voulait rendre l'âme. Alikuwa mkoma iko natosha pumzi ya mwisho. Au milieu de la nuit, katikati ya usiku, l'appel ne faisait que. Le téléphone ne faisait que faire du bruit là. Il dit, ah, c'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi encore ça? Je prends. Pasteur! Calme, c'est quoi? Pole, pole, nini. La femme est morte. C'est tout fini. Kufa, minaisha. La vie est en train de passer. C'est fini. Du calme. Tulia. Calme-toi. Tulia kwanza. Mets le téléphone sur son oreille. Weka simu kwenye sikio lake. Il dit au nom de Jésus. Nikasema kwa jina la Yesu. Toi démon de mort. Wewe pepo ya mauti. Esprit de mort. Roho ya mauti. Allez, sors de là. Toka pale. C'est un ordre. Ni amri, ordre. Moi je ne négocie pas avec les terroristes. Moi j'ordonne, tu pars. Na wapa ordre na mnatoka mnaenda. Esprit de vie. Roho wa uzima. Entre. Ingia. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Quelques temps après, Pasteur, l'enfant est vivant. Il est rentré. On ne lui a rien donné. On s'étonne. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est comme ça que la belle-sœur de mon frère Lévi. Tu es là, Lévi? Nivyo. Ah, il est là. De Maya qui n'a dougou Lévi naye. 5 minutes. Dakika tano. Était suffisante. Il est quoi na toche? L'a appelé. Kaita. Est-ce que. Il a envoyé un message. Katuma ujumbe. Il a dit Seigneur. C'est ma bonne. Si ton serviteur peut lire ce message. Si ton serviteur peut lire ce message, qu'il appelle Haïti, ça peut me faire vraiment du bien. Faites confiance au Seigneur. Ça n'a pas fait longtemps. J'ai appelé directement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi le frère Lévi. Est-ce que tu es avec le malade? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Nini hakiendeki? La femme était étalée au lit. Ule mwanamke alikuwa ananyoshwa kwenye kitanda. Grabataire. Tena ashanyoshwa kabisa.
et ne quittait plus le lit. Combien de temps déjà là? Un mois et demi, elle faisait ses besoins sur le lit. Toute la partie ici paralysée. Il n'y avait pas moyen parce qu'à l'hôpital, on avait dit c'est grave. Alors, il était à la maison, mangeant au lit, faisant ses besoins au lit. Et puis elle voit le téléphone venir. Le frère amène, monsieur Soukoukoukou. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par ce maîtrise, frère, nous sommes guéris. C'est la vérité. Ce n'est pas un slogan. Par ce maîtrise, nous sommes guéris. Tu me portes coupona. Satan lâche. Satan acha. Que la colonne de feu traverse son corps. Et que la création de tout ce qui manquait soit maintenant là. Ça fait combien de temps il vous a accompagné? 5 minutes. Dakika tano tu. Il les a accompagnés. Akawasindikiza yeye mwenyewe. Voilà mon Jésus à moi. Il s'occupe. Quand il a promis, il réalise. Amen. Merci Jésus. Je ne sais pas si nous avons le même Jésus. Parce que sur le mont Golgotha, il y avait 3 croix. Je ne sais pas devant quelle croix toi tu t'es agenouillé. Comment tu peux être comme ça? Qui a déjà rencontré l'homme de Galilée et resté le même? Croyez! Il est vrai, il est fidèle! Tous ces témoignages que vous voyez ici. N'est-ce pas merveilleux? Jessia, jabu sana kweli. Ma fille Meda, tu es là. Bitu wangu Meda, uko pale. Toi qui vas te marier avec le serviteur Josh, tu es là? Wewe mtaolewa na ndugu Josh, uko pale? Eh, n'est pas là aujourd'hui, hein? Hakuja leo. Elle avait perdu la vie ici, dans ce bureau. Umu kakufia ama umu. Elle est devenue bleue. Akawa na rangi ya samawi. Les lèvres bleues. Midomo zikawa rangi ya samawi. Les dents serrées. Meno inabana sana. Le cœur arrêté. Moyo ukasimama kupiga. Les jambes froides. Miguu baridi. Eh, mon Dieu. Mungu wangu. Que faire ici? Ndafanya nini sasa huko? Ah, Jésus. Quand je pense à ses promesses, je me tiens calme. Seigneur, donc tu as vu que c'est dans ces bureaux seulement qu'on doit sortir ce corps. J'étais calme. Et dans ce calme, un murmure doux et léger. Sauti nyororo tena tulivu. Appelle la par son nom. Kansema mwite kwa jina lake. Je dis Meda. Kamwita Meda. Zero. Hakuna kitu. Appelle la. Sauti kasema tena mwite. Elle est en train de partir. Appelle la. Iko naenda mwite. Meda. Meda. Papa. Papa. Ah. Elle a commencé à apprendre encore. A casa de fusa tena gisi akunyoroka kusimama. Commencé encore à apprendre comme un enfant à boire. Kama vile mtoto kukunywa. Après un moment, bale dakika fulani. Seigneur, kasema Bwana, qu'une force surnaturelle. Vous voyez, une perfusion céleste.
lui soit accordé pour la force. Et subitement, une force est entrée en elle. Elle s'est levée, elle a souri. Nous avons loué Dieu. Elle est rentrée à la maison. Je vous dis la vérité. Vous savez, frère, c'est à cause de votre incrédulité que Dieu ne vous bénit pas. Pensez que je peux prendre cette Bible et venir vous mentir ici. Le Dieu de William Branham. Mais si je mens. Parce que je mens. Qu'il me détruise ici, mais je vous dis la vérité. Croyez. Amen. Faites confiance à Jésus. Il ne vous laissera pas tomber. Beaucoup de gens pensent que la vie c'est en Europe. Les Européens sont en train de venir en Afrique. Les gens pensent que la vie c'est en Chine. Les Chinois prient pour qu'ils aillent au Katanga. Les gens croient que c'est en Amérique. Mais avec votre paresse ici. Mais vous allez mourir là-bas. Les Américains. En Amérique, il peut avoir 3-4 jobs. Allez, à quoi la case tête ou une? Alors, c'est tout bien qu'on s'y commande des autres. Il finit ici. Alors, Malisa, pas. Bonjour, hein. Allez, de façon guine. C'est ça sa vie de tous les jours. Il y a qui la s'y couille? Et quand un Américain atterrit au Congo, Congo ça, quand il regarde, ça, quand il le voit, ça, na on a envoie-le un peu. Chez Sa Majesté là-bas. Moutoume tout coule quoi, mami. Hein. Nous avons la majesté, notre frère, c'est la majesté. Moshimiwa, c'est lui le chef de. Yenjona Tawala. Hein? De Shabunda là-bas. Wa Shabunda yote. Eh oui. Ndio. Avec les autorités, de, avec la signature de toutes les autorités. Tena na kubaliwa na wakubwa wote wa nchi. L'héritier légitime. Muriti halali de ce coin-là. Wa ile nafasi effacé, mais le message dans son cœur. Lakini ujumbe moyoni mwake. Les sorciers wachawi sont venus avec leur magie. Walikuwa na ulozi wao. Leur sorcellerie. Na ulozi wao. Ils ont déposé à ses pieds. Wakatua kwenye miguu yake. Nous avons tout fait. Tushafanya yetu yote. Des années. Miaka inapita. Pour que tu ne viennes jamais ici. Tusifike tena hapa. Nous voyons que ton Dieu est fort. Tunaona kama Mungu wako ana nguvu sana. Prends. Kamate bwana. Brûle ces choses. Choma hivi vitu. Il dit Kasema Emma. C'est ça donc. C'est vous qui bloquiez tout ça. Je ne pas. Mais rien de ça ne peut me bloquer. Moi, mon Dieu, Jésus, Yesu. Alléluia. Quelqu'un est venu, rejeté par tout le monde, avec les boyaux pourris. Il lui a imposé les mains. Il lui a dit, pars. Quelqu'un t'a dit, mais c'est comment? Mais tu as prié pour moi, tout est normal. Les gens commençaient à faire la ligne de prière comme d'ici là, on va construire un tabernacle là-bas. Tous ces gens-là. Karibune botajenga maskani kule wale watu wote watakuja kuamini Kristo. Parce qu'il y a on va asphalter une route Bukavu jusque là-bas. Pourquoi watatia barabara ya Gudro kutoka Bukavu mpaka Shabunda? Jusque Maniema partout là-bas. Paka Maniema kule kote. Asphalter. Fasi yote Gudro. Moi je vois ça comme ça. Mimi ningo naviona hivi. Si vous ne voyez pas comme ça, c'est votre affaire. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est nous qui avons le dernier mot. C'est la vérité. Merci Jésus. Et il vit la parole.
Quand vous vivez la parole, neno, vous êtes plus que quelqu'un qui a 9 dons. Unashinda mtu mwenye kuna karama 9. La parole elle-même. Kuishi neno tu. Frère Branham l'a dit. Branham anasema. Amen. J'applique. Branham anasema. Frère Branham l'a dit. Amen. J'applique. Natie matendo. Les gens vont penser que vous avez tous les dons. Watu watawaza kama wewe karama zote unazo. Parce que Dieu vous écoute en direct. Kwa kuwa Mungu anakusikia tena straight. J'aime les dons. Napenda ka karama. Oui. Ndio. Mais nous sommes déjà au-dessus de l'âge des dons. Lakini tayari tunakuwa juu sana ya Nous sommes dans l'âge de l'épouse. La parole parlait en action. Neno, alikingia kazini. Et je vois que les montres commencent à être regardées. Naona kama wanaanza kutizama masaa. Ne vous en faites pas parce que cet après-midi il y a Sainte-Seine. Musijali kwa kuwa jioni leo kuna karibia meza ya Bwana. Pour ceux qui sont en train d'aller au ciel. Kwa ajili ya wale ambao wako wanaenda mbinguni. Ça va commencer à 17h. Itaanza saa 11. Je vais vous libérer. Comme ça, vous allez vous préparer. Ceux-là qui voudront venir, wale ambao watapenda kuja, communier, kuja kushiriki, parce qu'ils sont des voyageurs, kwa kuwa wao ni wasafiri, et ils vont au ciel, na wako naelekea mbinguni, il n'y a pas de doute dans leur cœur, hawana shaka moyoni mwao, n'ont pas de haine, hawana chuki, n'ont pas de racines d'amertume, hawana mizizi ya uchungu. Pas de péché inconfessé. Hawana zambi zisizokiriwa. N'ont pas insulté leur femme. Hawakuwa tous n'ont pas négligé leur femme. Ils ne prennent pas leur femme comme des paillassons. Hawakamati kama vile vikoropo. Et vous vous soumettez à vos maris. Na nyinyi pia mnawatii waume zenu. Des gens qui vivent la parole. Watu ambao wanaishi neno. Des gens qui confessent leurs fautes tout le temps. Watu ambao wanakiri makosa yao kila wakati. Prêt pour l'enlèvement. Tayari kwa kuna nanya unyakulivu. Parce que c'est pour les voyageurs. Kwa kuwa ni kwa ajili ya wasafiri. Des victorieux comme Abraham. Wale washindaji. Voilà des gens qui peuvent prendre la Sainte Seine. Ona watu ambao wanapasha karibia meza ya Bwana. À 17h, on va commencer les cultes. Saa 11 tutaanza ibada pia. Je vais vite terminer comme ça vous partez. Ndio tamaliza kwa ajili muweze kwenda. Je vois beaucoup de gens regardent la montre. Ona watu wengi wako natizama kwenye saa. Écoutez ça. Ce qu'ils allaient. Écoutez. Comment l'ange est venu? Namna gani malaika kanijia? Vers moi. Namna gani malaika kanijia mimi? Prêcher le 17, plutôt le 7 novembre 53. Lubiriwa tarehe 7 mwezi wa 11. Agafu 8. Shahidi yake nani? Il n'y a pas longtemps. Autrefois, j'étais pasteur d'une petite église baptiste à Willtown. Ici dans l'Indiana. Je me tenais avec un homme âgé du nom de George White. Je rentrais à la maison la nuit. J'ai remarqué qu'il y avait dans un coin. En entrant vers 22h, il y avait un point très loin à la campagne. Et par un été chaud, un vieux rossignol. Il avait l'habitude de se percher par là. Et qu'est-ce qu'il chantait? Oh là là! Oh là là! Vous savez, les oiseaux sont heureux. Vous ne verrez jamais l'un d'eux malgré tout ayant l'air très abattu comme nous. N'est-ce pas? Je sais. Jamais vous. Le petit oiseau se lève très tôt le matin et se met simplement à chanter. Les oiseaux font la prière en famille. Et... Est-ce que toi tu fais ça? Il commence à chanter. Il dresse la tête et chante tout simplement à la gloire de Dieu. Jamais vous n'avez appris qu'un oiseau souffre d'hypertension. N'est-ce pas?
Jesivyo. Ou un oiseau qui doit se faire opérer. Ama ndege ambao utafanya upasuaji. Il ne fait que glorifier son créateur. Ndege kazi yake ni kutukuza muumbaji wake. C'est tout. Yote ile. Mais nous, nous errons ça et là. Tunababaika huku na kule. Parfois. Mara. Voilà les problèmes de l'église. On lâche de la canisse. Trop de murmures. Ça ne te donne rien. Trop de plaintes. Ça ne te donne rien. Tu aggraves ton cas. Je sais de quoi je parle, frère. Arrêtez cette mauvaise habitude, ces pensées négatives. Arrêtez ça. Vous vous détruisez vous-même. C'est un suicide, ça. Et quand vous vous suicidez, vous n'allez pas au ciel. Ça prouve qu'il n'y a rien à l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Mais oui. Toujours triste. Plaintif. Voilà pourquoi les robinets de bénédictions sont fermés. Dieu n'aime pas les murmures. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Furaini. Pourquoi? C'est pour votre bien, pour votre guérison. Je termine par cette citation. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Prêché à Chicago le mercredi 4 avril 56. Ah, comme ça. Vous pouvez aller manger, je vois beaucoup de gens en train de. Apa munaweza ndakula naona watu wengi washaanza. 4. Vous savez? Shaire kaine. Mnajua? Je disais aux jeunes gens tout à l'heure. Nilikuwa naambia vijana wakati kidogo napita. En venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Nilikuwa naambia tunapasha kuwa kila mara ndani ya furaha. Dis à ton ami là à côté de toi qu'il doit être heureux. Frère Branham dit que tu dois être heureux. Dis-le lui. Frère Branham dit que tu dois être heureux. C'est pas moi. Tu dois. On n'a pas le choix. Bah, tu peux, tu dois. Pas non, on n'a pas le choix. Amen. Tu dois être heureux. On n'a pas le choix. Est-ce que tu es heureux? Amen. Amen. Tu es venu triste. Maintenant là, tu es heureux. Que celui qui est heureux puisse acclamer pour Jésus. Eh oui. Comment quelqu'un peut se réjouir alors qu'il n'a pas d'argent? Qui vous a dit que notre joie dépend de ça? Et qui te dit que je vais quitter ici, arriver sur la route sans $100 en poche? Soyez positif. Amen. Oui, Seigneur. J'ai une de mes brebis ici qui a dit, Seigneur, aucun oiseau ne mangera aujourd'hui. Tant que mes enfants n'ont pas à manger. Les oiseaux ne moissonnent ni ne sèment. Mais ils ne manquent jamais à manger. Aujourd'hui, je décrète les gènes des oiseaux. Léa n'a sema grave commandeg. Elle était sérieuse là. En train de regarder ses enfants.
Tant qu'ils n'ont pas mangé, aucun oiseau ne mangeait. Dieu s'est senti obligé. Frère, la foi Imani n'accepte jamais non comme réponse. Frère Branham dit, la foi n'accepte jamais un non comme réponse. Directement. Quelqu'un est venu avec tout ce qu'il fallait. Pas pour un jour, mais pour plusieurs jours. Les oiseaux peuvent maintenant manger. Vous ne savez pas qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. C'est ça le problème de l'église. Je disais aux jeunes gens tout à l'heure en venant ici. Je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Je vais voir encore. Est-ce qu'on peut être triste sans rire? On peut être joyeux sans rire? Riez un peu, je vais le voir. Pas vos rires américains ou les rires britanniques. Qu'est-ce que ça vient de dedans? Parce que Dieu s'occupe de toi. Ton âme, ton esprit, ton corps, ta famille, ta femme, tes enfants, ton travail. Il prend soin. Wanako, ana shugulikia vyote. Merci Jésus. Savez-vous ce qui provoque la mauvaise humeur? Unajua nini inaleta kaile mazingira mbaya? Ce drôle d'humeur, il est hali mbaya. C'est l'une des vilaines choses. Ni moja ya kitu kichafu sana. Elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Nandiyo inakuwa karibu ni kwenye pasenti makumi sita chanzo ya magonjwa yote. C'est pas moi, c'est le prophète. Si mimi nabii anasema. Oui, oui. Ndiyo, ndiyo. C'est crise de colère que vous piquez. Ile kasirani, kasirani ambayo inakuwa kukamata. Souvenez-vous. Kumbuke. Vous ne faites que développer un cancer. Uko unaweka kansa ndani mwako. Un ulcère. Kidonda. Ou quelque chose comme ça. Ama kitu kama na hicho. En faisant cela. Unapofanya hivyo. Quand vous vous mettez dans tous vos états. Wakati unakasirika wewe. Contre quelqu'un. Zidi ya mtu fulani. En disant. Ukisema. Je ne rentrerai plus là. Aseme sitafika tena pale kwake. Qu'il attende. Je vais lui dire les quatre vérités. Très bien. Rappelez-vous. C'est vous qui allez payer pour ça. Soyez donc toujours heureux. Soyez donc toujours. On raconte une petite histoire. On raconte une petite histoire. Un petit matin, un petit rouge-gorge était perché sur une branche. Chantant à sa petite compagne. La petite compagne a volé vers lui et dit, tu sais, je suis très inquiète ce matin au sujet d'une chose. Le compagnon a dit, quoi? Il a dit, nous les rouges-gorges, si, si, wa rouge-gorge, nous ne nous inquiétons jamais. Mais je me demande bien si ces pauvres créatures, les êtres humains, qui marchent le visage renfrogné. Je me pose bien des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme sur nous les rouges-gorges. Oh. Vous n'avez pas de Père Céleste, hein? Baba wa mbinguni, qui veille sur vous, hein? Amen, akisha juu yenu.
C'est à peu près ça. Vous n'avez jamais appris que l'un d'eux souffre d'hypertension. Non, non. Vous n'entendez pas des sirènes d'ambulance retentir pour ainsi de suite. Vous voyez, ils vivent suivant la vraie voie à laquelle Dieu a pourvue. C'est toujours nous qui agissons mal. C'est nous qui connaissons la science. Vous savez, nous sommes des gens intelligents. Si donc, les oiseaux ne changent pas. La peur du lendemain ne te donne pas le travail. Prie, cherche. Tafuta. Parce que Matthieu dit, pourquoi Matthieu anasema? Celui qui frappe, anayebisha, on lui ouvrira. Watamfungulia. Celui qui demande, on lui donnera. Watampa. Celui qui cherche, trouvera. Anayetafuta atapata. Est-ce que vous savez ça? C'est la Bible. Et c'est notre Seigneur qui l'a dit. Amen. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Et vous oubliez vite. Mais je vous invite à aller prendre vos anciens albums. Si vous les avez encore, vous ressemblez à quoi? Regardez un peu comment vous ressemblez. Et avec vos pantalons là, je ne sais pas comment. Regardez un tout petit peu seulement. Et vous allez dire merci Seigneur. Yesu, à santé. Eh, hey, Aluta, est-ce que tu étais comme ça? Eh, hey, Aluta, le quoi qu'a vu la cabisa? Regardez-moi comment. Tu sais ma cosa qui si vous parle. Que Satan ne nous mente pas, c'est un menteur. Satan est tout d'engagné, nous sommes bongo. Chacun de nous a fait quelque part. Le problème est que tu veux te comparer à quelqu'un d'autre. Fais confiance au Seigneur. Reste positif. Aime tout le monde. Glorifie Dieu pour la bénédiction de ton frère. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Mungu atakuachaka kamwe. Il ne te délaissera jamais. Mungu atakuachililiaka kamwe. Amen. Amen. Merci Jésus. Je n'ai pas beaucoup de temps. Muda mwingi hatuna. Si j'en avais, je pouvais vous lire d'autres citations. Ngikuwa nao ningewasomea ingine mitajo. Mais je ne vais pas trop fatiguer parce que à 17h, nous viendrons prendre le pain kosher. Pour les gens qui sont en voyage, en partant vers le ciel, ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur. Et ils sont en train d'aller au ciel. Ils sont nés de nouveau. Il faut que je vous dise la vérité. Pas des gens qu'on voit dans des boîtes. Qui profitent d'une situation sainte pour aller faire des faux semblants de repentance. Mais des gens qui sont prêts, qui sont chrétiens. Un chrétien, c'est un pécheur repentant. Il ne laisse aucun péché dans son cœur. C'est un chrétien. Il aime Dieu. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas la Sainte Cène n'a pas de part avec Dieu. Et celui qui prend cela indignement,
Il prend un jugement contre lui-même. Si tu viens avec des problèmes avec les autres et tu prends ça comme ça, ça ce n'est pas l'hostie. Hein? Ça peut t'envoyer dans le gouffre. Ça ce n'est pas n'importe quoi. Ah, ça c'est autre chose. Je dois vous dire la vérité. Ah, c'est une sainte scène. Nintendo Takatifu. Sainte. Takatifu Kabisa. Alors, c'est pour les saints. Les gens qui vivent saintement. Qui ont réparé leur vie. Qui sont irréprochables. Chrétiens en dedans et en dehors. Qui vivent la parole. Na neno naliishi. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Hiyo ni ukweli. Je vais prier pour les malades. Tawaombea wagonjwa. Et puis nous allons partir. Kisha tutakwenda. Écoutez ça. Sikiliza hii. Parle à ce rocher. Dimanche 12 juin 60. Paragraphe 32. Certainement vous êtes guéri. Hakika mmepata kupona. Écoutez comment Dieu parle. Certainement, donc ce n'est pas un doute. Hein. Certainement vous êtes guéri. Hakika mmepata kupona. Si vous le croyez. Kama unaiamini. Qui croit qu'il est guéri? Dieu dit que certainement tu es guéri. Ce que vous sentez n'a rien à voir avec la chose. Dieu dit déjà certainement vous êtes guéri. Ce que vous ressentez n'a rien à voir avec la chose. C'est à votre foi que vous devez que nous regardons. Ce que Dieu voit, c'est votre foi. Pas ce que vous sentez. Jésus n'a jamais dit sentez-vous cela? Il a dit croyez-vous cela? C'est cela. Et moi je te dis comme Jésus, croyez-vous que vous êtes guéri? Amen. Pourquoi je sens qu'il y a des doutes? Croyez-vous que vous êtes guéri? Amen. Quel que soit votre problème, quel que soit votre maladie, je ne demande si vous sentez que vous êtes guéri. Non. Croyez-vous que vous êtes guéri? Amen. Soyez certains de Dieu. 124. Si vous êtes malade, condamné par la médecine, il y en a qui sont condamnés par la médecine. Il y en a qui ont des cancers, condamnés par la médecine. Il y en a qui ne peuvent plus jamais être guéris. L'arthrose. Arthrose. Oh, on dit. Hépatite B. A. Hépatite C. Hépatite C. Cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Leucémie. Tumeur au cerveau. Hernie discale. Ce sont des démons. Hein? Ni ma pepo, il imagine ma pepo. On les a enjolivés. Wakasi chora tu. On leur a donné des bonnes scientifiques pour vous faire peur. Jina, rembo za kisiasa. Ce sont des démons horribles. Ni ma pepo za mubaya tena. Très horribles. Za mubaya zile pepo. Sale à voir. Chafu kuziona kwa macho.
Et ils n'ont aucun droit. Na hazina hata haki moja. Et sans papier. Hazina hata karatasi za kuziruhusu. Je vais les intimider tout de suite, je vais les chasser. Ça y est, la zitisha, la d'ailleurs, ils commencent déjà à trembler. Ah, pas, zisha, tayari. Amen. La sorcellerie. Boulozi. Oh, moulongé, ceci et cela. Moulongé, si djoué nini na kile. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est pauvre dans une hutte, là, il te dit que non, je vais te rendre riche. Et tu es normal. On a écouté la moutou moya masikini moumousongé. Asema ta koufanya wo kwe tajiri. On a kili sawa kwe. Mais qui commence d'abord à être riche lui-même, non? Si à quoi tajiri est peke kwanza. Et vous acceptez des bêtises par exemple. Oh ça. Oh non aïe. Voyez. Non non. Si tu gardes ça. Tu mets ça autour de ton mari. Ton mari va t'aimer. C'est faux. Escroc. Si vous êtes malade. Condamné par la médecine. Si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie. Que chacun dise, je te promets de te servir tous les jours de ma vie. Je te promets de te servir tous les jours de ma vie. Répète encore, je te promets de te servir tous les jours de ma vie. Encore, je te promets de te servir tous les jours de ma vie. Et que vous êtes certain qu'il est Dieu. Venez donc satisfaire à son exigence. Écoutez. Si vous avez un besoin. Voulez-vous commencer par lever la main? N'importe quel besoin. Oh, du Saint-Esprit. Jusqu'à des villas ou des... N'importe. Est-ce que Dieu a quantifié? N'importe quel besoin. C'est Dieu qui l'a dit. Mungu mwenye wanasema. Amen. Nous avons tous promis de les servir. Sote tuliahidia kumtumikia. Alors, passe. N'importe quel besoin. Ajalishi itaji ni gani? Guérison. Uponyaji. Salut. Wokovu. Le salut de ta maison. Le salut de tes enfants. Le travail de tes enfants. Le mariage de tes filles. Jésus. La promotion au travail. Les distinctions. Les bourses d'études. Moi, je suis en train de lire. Dieu dit. Vous savez que le prophète c'est la bouche de Dieu. Amen. Dieu pense, le prophète parle. Mungu anawaza, nabii anasema. Qui croit que Dieu pense, le prophète parle? Amen. Je crois. Je vais les mains. Qui croit que Dieu pense, le prophète parle? Êtes-vous sérieuse et sérieux? Alors vous êtes guéri. Amen. Passez mon apôtre à coupona. Si vous avez un besoin, kama unahitaji yoyote, voulez-vous commencer par lever la main pour dire que vous avez besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Amen. Prions. Tuombe. Levez-vous. Tusimame. Levez-vous. Tusimame. Parce que maintenant là, vous venez de saisir votre réponse. Kwakuwa hapa hii asubuhi unanasa jibu yako kwa sasa. La maladie là. Ile magonjwa. Elle a déjà ilisha kimbia zamani. Elle a pris la poutre de scampette. Ilisha piga mbio. Talon sur la nuque. Kisingino nafika kwenye chingo. Allez témoigner les chèques en salampère. Il dit, hey, ce n'était pas un fait facile. Merci Jésus. C'est la vérité. Amen, 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 amen.
Sortez tout de votre esprit. Gardez Jésus. Seulement Jésus. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ton affaire. Comment ça va se faire, ce n'est pas ton affaire. Le frère viendra d'où pour m'épouser, ce n'est pas ton affaire. L'argent viendra d'où, ce n'est pas ton affaire. Je te dis que ce n'est pas ton affaire. Même ceux qui te doivent, ils viendront eux-mêmes te remettre l'argent. Parce que maintenant même, je trouble leur cœur. Où qu'ils soient, ils ne sommeilleront jamais. Ils ne vont plus rien avaler. Et ils ne fermeront plus les yeux aussi longtemps qu'ils ne sont pas venus vers toi. C'est toi qui vas dire. C'est toi qui vas dire. Donne, alors ça va, je te pardonne. Un frère ici, il avait volé avec ses amis cette porte d'une maison. Milango saba za nyumba moja. La semaine passée, quand l'évangile était tellement dur. Ukiopita injili lipokuwa ngumu sana. Pasteur, mchungaji, les autres sont dans la même vie. Wengine wako maisha. Moi ça fait 7 ans que je ne suis plus là. Mie miaka saba isikuwa kete. Mais l'évangile ne me laisse pas en paix. Lakini injili inachina amani. Va voir la personne. Nikamwambia aende aone mwenye milango. Dis-lui que tu es voleur et que tu es devenu chrétien et que ça fait 7 ans tu fais partie des voleurs qui avaient dévalisé sa maison. Comment ça va se faire? J'ai dit, je t'envoie, vas-y. Il n'y aura rien. Il est parti. Il a parlé à ce monsieur. Le monsieur était étonné. Il y a des gens comme ça. 7 ans après. Et il a donné. Ça peut payer les deux portes. Parce que les autres, je ne sais même pas. Elles n'ont pas cru comme moi. Et le monsieur même craignait de prendre l'argent. Ce n'est pas possible. Adi. Voilà le Dieu que nous prêchons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons, Jésus-Christ. Quel Dieu puissant, oui, tout puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Alléluia. Quel Dieu puissant. Oh, nous servons. Alléluia. Quel Dieu puissant. Oh oui, tout puissant. Oui, chantons louant. Louons le Seigneur. Chantons louant. Louons le Seigneur, chantons louant. Eh oui, chantons louant. Oh, chantons louant le Seigneur. Oui, obéissons au message, obéissons. Obéissons, 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 oh, obéissons. Oh, message, allons prêcher. Oh, la parole, allons prêcher. Prêchons la parole, allons prêcher. Oh, oh, allons prêcher. Oui, allons prêcher la parole. Allons vivre, vivre l'évangile. Allons vivre. Allons vivre
puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, Jésus est Dieu tout puissant, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine. Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit, oh, tout est en lui, la plénitude divine. Et tout en Jésus, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant, tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, ma sagesse et perfection, ma justice et puissance. Je le trouve en sa main. Tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en lui. Alléluia. Et oui. Et oui, Jésus est Dieu tout puissant. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Jésus se tient près de toi. Si tu veux le Saint-Esprit, dis-lui ce que tu veux. Oh, si tu veux le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le Saint-Esprit, dis-lui ce que tu veux. Jésus est ton prêtre. Si tu veux la dynamique, si tu veux la dynamique, dis-lui ce que tu veux. Eh oui. Ce que tu veux, oh, tu veux la dynamique. Eh oui, ce que tu veux. Alléluia. Jésus est ton prêtre. Si tu veux la bonne santé, dis-lui ce que tu veux. C'est disponible maintenant. Si tu veux la
médecin est ici. Le grand médecin est ici. La bonne santé. Dis-lui ce que tu veux. Eh oui, Jésus, il se tient près de toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux. Tu veux la délivrance. Dis-lui ce que tout à l'heure, maintenant, si tu veux la pas demain, pas le soir, maintenant. Si tu veux la délivrance, dis-lui ce que tu veux. Jésus, 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 c'est ton prêt. Amen. Alléluia, Louia, 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 Alléluia. Jésus, Jésus. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Le sauveur, le rédempteur, l'ami fidèle. Rafiki mwema. Alléluia. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. L'ami des rachetés. Le médecin sans frontières. Jésus. Yes. Il est ici maintenant. Il est dans cette salle. Il est dans cette salle. Crois de tout ton cœur. Ne pensez plus à cette maladie-là. Ne pensez plus à ce problème-là. Même ton mari qui t'a fui. Je lance une flèche là où il est. Une flèche d'amour dans son cœur. Il va revenir vers toi. Je te le dis au nom du Seigneur. Car les grandes choses sont aussi simples. À voir comme les petites choses. C'est ce que Dieu a dit. Au travers de son prophète. Et moi je crois de tout mon cœur. Tu verras toi-même. Tu auras même difficile de faire le choix du boulot. Tu auras toi-même difficile. Tellement que tu seras dans l'embarras. On va se demander qu'est-ce que ce monsieur a touché. On va te demander le nom de ton marabout. Tu vas dire Jésus. Le meilleur de tous. Qui ne choue jamais. Écoutons dans le calme. Vous verrez quelque chose. Fermez vos yeux. Inclinez vos têtes par respect. Parce que sa majesté le roi des rois est en train de passer. Il a son calepin. Il connaît chaque cœur. Il voit ce que tu lui demandes. Il voit ton cœur. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Il va changer tout cela. Il est en train de le faire déjà. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
crois seulement. Amini tu. Lève la main. Jésus connaît ton cœur. Il lit ton cœur. Et ta pensée parle beaucoup plus que même tes paroles. Il voit ce que tu veux. Et c'est disponible. Tout ce pourquoi il est mort t'appartient. Tout ce pourquoi Jésus est mort, ça t'appartient.
Dieu bien-aimé, Père céleste. Mungu mpendwa baba wa mbinguni. C'est encore moi. Ni mimi huyu hapa tena. C'est moi Seigneur qui viens. Ni mimi huyu hapa nakuja. En tant qu'ambassadeur du trône. Kama vile mwakilishi wa enzi. Je viens avec mon frère. Nakuja pamoja na ndugu yangu. Je viens avec ma sœur. Nakuja pamoja na dada yangu. Seigneur, Bwana. C'est toi qui m'as dit, ni wewe uliniambia, que je puisse niweze demander la grâce pour le peuple. Kuomba neema kwa ajili ya taifa. Que tous ceux qui ont murmuré, wote walionungunika, il y a la malédiction sur eux. Unalaana juu yao. Et cette malédiction sera ôtée seulement si je demande pardon pour eux. Na ile laana itaondoka tu kama nawaombea msamaha. En tant que sacrificateur, comme kuhani, en tant que leur pasteur, comme wao, je demande pardon na msama, pour ton fils, pour ta fille. Binti wako. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne ta fille. Binti pardonne wako. À ton fils, Seigneur. Il a regardé aux événements. Aliangalia kwa matukio. Il a regardé au Dieu. Aliangalia Mungu. À des vagues écumantes. Kwa zile zoruba kubwa kubwa. Comme Pierre. Kama vile Petro. Au lieu de regarder Christ. Hari ya kutizamia Kristo. C'est ainsi qu'il a commencé. Ni hivyo ndivyo kaanza. À se noyer. Kuzama. Papa, tu n'as pas laissé Pierre se noyer. Baba ukumwacha Petro azame. Parce que c'est toi qui l'avais appelé. Quand il a crié vers toi, sauve-moi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Tu avais pris sa main. Et tu l'avais sorti de là. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Léo, ta fille a regardé aux symptômes. Ton fils a regardé aux symptômes. Il a vu les vagues écumantes. Il a regardé à la tempête. Au lieu de regarder au Christ. Maintenant, ton fils et ta fille viennent de se rendre compte qu'ils ne devaient regarder qu'à Christ. Il demande pardon. Et moi je viens comme sacrificateur, comme intercesseur pour leur, ô Dieu, réconcilier avec toi. Seigneur, Bwana, ne les détruis pas. Usiwaharibu. Qu'est-ce que tu vas gagner en les détruisant? Utapata nini ukiwa utakapowaharibu? Que gagneras-tu en détruisant cette sœur? Utapata nini unapowaharibu huyu dada? Dis-moi, Seigneur. Que vas-tu gagner en détruisant cette sœur? Utapata nini unapowaharibu huyu ndugu? Mais je t'assure, nakuhakikishia, tu vas beaucoup gagner. Utapata utawina mambo mengi. En le sortant de là. Unapomtoa pale. Rappelle-toi, kumbuka, tu as beaucoup gagné ulipuina mambo mengi, en sauvant Pierre. Ulipomokoa Petro. Tu as beaucoup gagné uliwina mambo mengi, parce qu'il a prêché. Kwa kuwa alihubiri, 15 minutes il a sauvé 3000 âmes. Dakika 15 nafsi 3000 zikaja kwako. Rempli du Saint-Esprit. Tena wakajazwa Roho Mtakatifu. Si tu l'aurais laissé, kama ungelimwachaka, est-ce qu'il aurait fait ça? Je angifanyaka hiyo kazi? Regarde Paul. Tizama Paulo. Il était là. Alikuwepo. Il a tenu même les habits des gens qui ont tué Étienne. Akashikilia hata wale watu waliomuua Stefano. Il applaudissait, il voulait que Étienne meure. Alikishangilia kitaka Stefano afe. Si tu le tuais maintenant là. Alimuua pale pale. Est-ce que tu aurais écrit le Nouveau Testament? Je ungeweza kuandika agano jipya?
Mais en le sortant de là, quand tu l'as rencontré sur le chemin de Damas, tu as changé son nom. De Saul de Tarse en Paul. N'est-ce pas que tu as beaucoup gagné? Tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce frère, cette soeur, papa, baba, moi quand je vois, moi je vois le chef d'œuvre. Il suffit seulement que tu mettes ta main. Ta main experte. Sur ce frère. Sur cette sœur. Mais c'est le royaume de Dieu qui gagne. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Père. Seigneur Jésus. Tu as dit qu'en tant qu'ambassadeur du ciel, tous les anges de Dieu, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a, tout est là pour appuyer mes paroles. C'est ce que tu as dit et tu ne t'es pas trompé. Ce n'était pas un lapsus, Seigneur. C'est venu de ton cœur. Alors, Père, étant à genoux, dans ta présence, je réclame toutes ces âmes. Même celles qui étaient déjà enfoncées. Dans les profondeurs de la fosse septique diabolique. Dans les profondeurs du mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je plonge. Je plonge. Pour sortir mon frère, pour sortir ma soeur, et ensemble avec elle et avec lui, nous entrons dans la douche où le sang de Jésus nous purge, nous lave et enlève les odeurs sales et met le parfum de la rose de Sharon. Du lys de la vallée. Au nom de Jésus. Tu m'as donné un travail. Je me rappelle, Père. Tu m'as dit de laver tes enfants et de les habiller. Rappelle-toi ce jour-là. Les habiller. Le fin lin, sans tache, bila takataka, ni ride, bila muku, ni rien de semblable, bila chakufana na hivo. Je prends chacun, na kamata kila mmoja, je le plonge dans, na muchovya ndani. Ephésiens 6, ne wa Ephésiens sura 6. Je place sur la tête de chacun, na weka kwenye kichwa kila mmoja, le casque du salut, hiyo casque ya wokovu. Je place sur la poitrine de chacun et de chaque sœur la cuirasse de la justice. Je mets dans chaque main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je mets la ceinture de la vérité autour de la hanche de ma soeur, autour des hanches de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je mets dans l'autre main de chaque frère et de chaque soeur le bouclier de la foi. Pour arrêter les traits enflammés du malin. Et à cause de tout ce qu'il y a comme problème. Et les chemins rocailleux et tout.
J'aimais les souliers comme des vrais soldats. Comme un vilascari. Je ferme très bien ces souliers. Na funga na casa vizuri vya viato. Avec les lacets, je mets doublement, donc je ferme doublement les lacets. Nasi funga maradufu maradufu nasi funga. Des manières qui peuvent piétiner n'importe quoi sans se blesser. Kwa namna na kukanyaga izuru kitu gani na hata umia. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Saint feu, morte takatifu. Entre maintenant. Ingia sasa. Entre Seigneur. Ingia bwana. Cette lumière. Hii nuru. Cette lumière. Ile nuru. Cette lumière. Ile nuru. Qu'aucun démon ne peut toucher. Ambayo hakuna pepo inaweza kuigusa hiyo. C'est la lumière même de la création. Kwa kuwa ni nuru yenyewe ya umbaji. Remplisse chaque âme. Jaza kila nafsi. Qu'il en soit ainsi. Naiwa hivi. Qu'il en soit ainsi. Naiwa hivi. Seigneur, Bwana, tu sais très bien que le corps c'est le référentiel. Unajua ya kwamba ni c'est le housing. Mwili ni cha kuangalilia yako, ni cha kufika tu. Nous venons de te promettre. Tunamaliza kukuahidia que nous allons te servir. Ya kwamba tutakutumikia. Nous te promettons de te servir. Tunakuahidia tutakutumikia. Si tu nous guéris, nous allons te servir. Kama unatuponya, tutakutumikia. Pardon Seigneur. J'ai dit, comme tu nous guéris, nous allons te servir. Kisi unatuponya, tutakutumikia. Je reprends, comme tu nous guéris. Narudilia. Kisi unatuponya, nous allons te servir. Tuta kutumikia. Jusqu'à l'enlèvement. Mpaka kwenye unyakulivu. Seigneur, Bwana, tu as dit encore. Ulisema car c'est toi qui as pensé. Kwa kuwa ni wewe uliwaza. Et ton prophète a parlé. Na nabii wako akasema. Dans le Messie. Ndani ya yule Masihi. Que tu peux toi-même venir. Ya kwamba unaweza kuja moyo mwenyewe. Vivre souverainement dans chacun de nous. Kwa kujitawala ndani ya kila mmoja. Penser à notre place. Kiwaza kuna fasi yetu. Agir à notre place. Kutenda kuna fasi yetu. Parler à notre place. Kusema kuna fasi. Vivre à notre place. Kuishi. Et là ce n'est plus l'homme. Na pale c'est Dieu dans l'homme. Pali ni mutu na, Mungu nani ya mutu. Et c'est la saison. Na majira yenye c'est l'âge de l'épouse. Ni kizazi cha bibi c'est l'âge de la parole faite chair. Kizazi cha neno linalofaa mwili. Je donne à mon frère na mpa ndugu yangu la vie éternelle. Uzima wa milele. Tu l'as dit toi-même. Ulisema mwenyewe. Dans ces jours-là sur le calvaire, un pécheur sauvé par grâce qui était avili par le péché, que ton sang a lavé, le calvaire lui donne le droit et l'autorité de transmettre la vie éternelle. Alors maintenant, passe ça, ça. Au lieu de transmettre la grippe, au lieu de transmettre la conjonctivite, conjonctivite, au lieu de transmettre le COVID, je transmets le baptême du Saint-Esprit à ta fille, à ton fils, où qu'il soit. Même mon auditoire invisible, au nom de Jésus Christ, qu'il reçoive la vie éternelle, la vie Zoé, la seule chose nécessaire. En plus de cela, je brûle les cellules cancéreuses.
dans leur corps. Dans j'ai brûlé les maladies. Enjolivé par la science. De la tête aux pieds. J'ai fait passer chacun. À l'IRM céleste, le scanner de Dieu, la colonne de feu, je brûle tous les démons des maladies, de la tête aux pieds, du parent jusqu'au petit enfant, jusqu'au même au fœtus qui vient d'entrer, que la guérison entre au nom de Jésus Christ. Tu as encore dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je maudis les avortements à répétition. C'est fini aujourd'hui. Menace d'avortement. C'est fini. Stérilité. Primaire ou secondaire, c'est fini. C'est l'âge de la création. J'enlève la matrice abîmée. J'enlève la matrice avec des myomes. Je mets la matrice tout neuf. Tout neuf. Des trompes neuves. Trompe je réveille les ovaires avec des ovules mûres. Au nom de Jésus. Père, je lance des flèches d'amour afin que les fiancés se retrouvent. Au nom de Jésus Christ, je veux que chaque semaine il y ait un mariage ici. S'il faut deux ou trois, ok. Je veux bénir les enfants des jumeaux ou des triplés. Je donne ça à ta fille. Je donne ça à ton fils. Qu'est-ce qui va empêcher? Ils sont déjà agréés. Tu m'as déjà agréé. J'ai demandé le pardon pour tout. Et le sang de Jésus, c'est plus que l'eau de Javel. Ça enlève les taches. Et c'est lui qui va arranger une chose. Il va le faire. Parce que tu vas lui faire manquer la paix. Il va arranger ça. Seigneur. Seigneur. Plus d'échecs pour nos enfants. Je dis. Je le redis. Seigneur. Tu l'as fait pour Daniel. Il a cru à Jérémie. Il a lu Jérémie. Il s'est abstenu de viande sacrifiée aux idoles. Il avait une vie de prière et de sainteté. En lisant le prophète. Dans un pays étranger. Il n'y avait pas d'assemblée. Il n'y avait pas de frère avec qui communier. Tu l'as rendu 10 fois plus intelligent. 10 fois plus sage que tous les savants de Babylone. Seigneur, si c'est faux, efface ça.
cette écriture il est andiko qui est dans Daniel 1:20 amana kwa katika Daniel sura 1 mstari wa 20 mais comme c'est la vérité lakini kwa kuwa ni ukweli et tu ne seras jamais coupable de partialité na utakuwa kama mwenye hatia ya upendeleo père Baba, quel que soit le quotient intellectuel kiasi akili, provenant de la première naissance, comme nous sommes de la famille Jésus, et la famille Jésus n'a pas de cancre, j'élève ses enfants na inua wa watoto, afin que chacun d'eux puisse toujours frôler le 100% et qu'il y ait des diplômes et des bourses na wapate wa au nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Christo. Seigneur, Buane, que cette église soit bénie au vrai sens du mot bénédiction. Que ces frères ici, Seigneur, soient bénis, élevés, et que tout le monde se demande quel est leur secret. Et la réponse sera Jésus. Yes, Jésus. Yes, alléluia. Père, Père, qui est le directeur? Où est le directeur? Qui est le mandataire? Où est le mandataire? Père, Père, qui est le chef? Où est le gouverneur? Si il y a même un gouverneur ici, kama kuna gavana hapa, je dis amen. Nasema amen. Parce que je vais le soutenir dans la prière. Kwa kuwa na mshikilia ndani ya maombi. Et il ne va pas chavirer. Na hata enda mbali nawe. Je bénis mes soeurs. Na bariki wadada. Des kiosques en boutique, des boutiques en magasin, des magasins en supermarché. Magasin kwa ma supermarket. Amen. Je vaccine tous les enfants. Na wapandui watoto wote. Contre toutes les maladies virales. Zidia magonjwa yote. Contre toutes les maladies bactériennes. Zidia magonjwa yote. Et surtout contre la Odyssée. Na ha sa zidia la Odikia. Contre le péché. Zidia zambi. Jean a reçu le Saint-Esprit dans le sein d'Elisabeth. Aujourd'hui, il y a plus que Jean. Alors, Père, que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les enfants puissent choisir Christ. Le message de l'heure. Seigneur Jésus, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu aimes m'écouter parler. Tu aimes m'écouter prier. Et c'est toi, Père, qui m'a établi. Et tu m'as dit que l'ange à la chair est plus autoritaire que l'archange autour du trône. J'accepte, Seigneur, que ce que tu as dit est vrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cancer de la prostate. Allez, disparaît. Cancer de la gorge, disparaît. Métastase, quittez. Au nom de Jésus. Père. Baba. Père. Baba. Donne de nouveaux yeux à ton serviteur pour lire ta Bible, pour lire tes brochures. Rajeunis-le. Car la parole dit, c'est toi qui l'as dit, que tes paroles rajeunissent et fortifie nos muscles. Nous avons déjà juré que Père, nous allons te servir. Comme tu nous guéris, chacun de nous a dit qu'il va te servir. Celui qui péchait ne va plus le faire.
Tu vas le décourager. Oui, Père. Que la paix règne dans chaque famille. Au nom de Jésus. Que le mari demande pardon à sa femme. Que la femme demande pardon à son mari. Que les enfants demandent pardon aux parents. Que les parents demandent pardon aux enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Baba. Comme Frère Branham me disait. Quand les Américains allaient en guerre. J'étais avec eux. Quand les Américains ont fait le Far West, j'étais avec eux. J'étais avec George Washington. Parce que c'est l'identification. Et Père, Baba, tu as permis que nous soyons Congolais. Alors, vas-y. La carte du Congo ne sera pas modifiée. Carte ya Congo haita badilishwa. Amen. Les routes vont relier chaque province. Barabara zitakutanisha jimbo zote. Aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, le Congo est béni. Congo inabarikiwa. Je te promets, nakuahidia, avec mon frère et ma soeur, nous allons répandre le message tutasambaza ujumbe. De village en village, kijiji, de ville en ville. Au nom de Jésus Christ. La Bible est claire. Maudit soit quiconque déplace les bornes. Ce n'est pas moi, c'est toi. Merci Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi. Avec toi, je suis sûr. Cette prière renverse tous les plans des grands de ce monde. On saura que le grand du monde qui contrôle tout et qui a le dernier mot s'appelle Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as exaucé. Papa, tu m'as exaucé. Tu as guéri. Le sida a pris fuite. Le cancer a pris fuite. L'hypertension s'est en allée au loin. Le diabète a pris fuite. Tous les viscères qui étaient pourris. Tout est remplacé. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'impuissance ni de stérilité. Ici, c'est le shalom qui règne. L'œuvre de paix. Je rends mon frère invisible à toutes les forces du mal. Je rends ma soeur invisible à toutes les forces du mal. Je rends nos maisons invisibles à toutes les forces du mal. Père, merci. Car tu viens de le faire. Un ciel gratuit. Sans argent, sans rien payer. Alléluia! Alléluia! Amen. Merci Jésus. Santé Jésus.
Merci Jésus. Asante Jésus. Merci Père. Asante Baba. Merci pour cette colonne de feu. Asante kwa ajili ya nguzo ya moto. Merci pour cette colonne de feu. Asante kwa ajili ya nguzo ya moto. Qui circule ici. Ambayo iko na pita humu. Je l'envoie dans nos maisons, dans chaque chambre, dans chaque parcelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour maîtriser les filles, pour maîtriser les garçons, maîtriser les adolescents, la colonne de feu. Seigneur, je t'envoie en Alaska. Pour prendre mon frère et ma soeur et leur donner le désir de leur cœur. Je les bénis, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Oh Dieu. Oh Mungu. Regarde ce garçon. Il est épileptique. Il est à Houston. Il veut que je prie pour lui. Maintenant même, descends à Houston. Donne-lui la guérison. Donne-lui la guérison. Donne-lui la guérison, Seigneur. Merci, Jésus. Asante Yesu. Merci, Seigneur. Asante Buana. Merci, Jésus. Asante Yesu. Tu as dit de prier pour ton serviteur Bokele Alain. Je ne sais pas pourquoi. Protège-le. Veille sur lui. Bénis-le. Bariki. Élève-le. Même s'il ne veut pas. Élève-le. Élève-le. Moi je veux qu'il soit élevé. Même si lui ne le veut pas. Moi je l'élève. Remplis-le. Donne-lui la joie. La paix. Amen. Afin qu'il fasse exactement ce que tu lui dis de faire. Merci Père. Merci Jésus. Car tu viens de le faire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur. Tous les vases qui sont ici, karama zote mbozi na kuapa, vyombo vya karama vyote, qui commençaient à s'affaiblir, mbozi reza kuzofika, je les mets en feu, naziwasha moto, je les mets en feu, naziwasha moto, c'est l'âge de l'épouse, kizazi cha bibi harusi, tous les ministères qui sont ici, huduma zinazo kuapa, les vrais, huduma za kweli, je les mets en feu, naziwasha moto. Chaque frère et chaque sœur, soit une Bible qui marche. Et que nos ombres guérissent les malades. Que notre présence apporte la guérison. Même sans ouvrir la bouche. Que notre présence, c'est la saison. C'est le temps de la moisson. Un esprit vient sur l'épouse pour faire exactement ce que l'époux a fait. Ainsi dit le Seigneur. Merci Père. Merci Père. Asante Baba. Merci Seigneur. Chaque mot que je viens de prononcer, ce n'est pas moi. Car tu as dit, quand tu pries au nom de Jésus, c'est Jésus qui a prié. Comme c'est Jésus qui a prié, alors la prière est exaucée. Tous les malades sont guéris. Tous les faibles sont fortifiés. Même les vieux sont rajeunis. Amen. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Père.
pour cette merveilleuse présence. Cette présence surnaturelle. Cette colonne de nuée. Cette colonne de feu. Qui enveloppe l'église. Qui enveloppe nos maisons. Qui enveloppe nos parcelles. Qui enveloppe le pays. Et chaque enfant de Dieu dans le monde entier, Seigneur, qu'il écoute en direct ou en différé cette prière, ne périmera jamais jusqu'à l'enlèvement. Cette prière fera des dégâts en enfer. Louange l'agneau, alléluia. Louange l'agneau, alléluia. Louange l'agneau, alléluia. Sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si je n'avais pas été baptisé à 12 ans, c'est parce qu'un démon m'a refusé d'être baptisé. Dieu veut que ceux qui croient puissent être baptisés. Le vieil homme meurt. Le vieil homme. La vieille personne, ah, yule mtu wa zamani anakufa. L'ancien individu, yule mtu wa zamani, meurt, anakufa. Et tu te lèves, unaposimama. Ce n'est plus toi qui vis. Si wewe unayeishi tena. C'est Christ. Bali ni Christ. Voilà le symbole du baptême. Ona kwa kile chola. Est-ce que tu es là? Je uko pale. Avance. Songa mbele. N'aie pas peur. Wala usiogope. N'aie pas peur. Usiogope. Il y a le Seigneur Jésus qui est ici. Bwana Yesu Kristo mwenyewe yuko hapa. N'hésite pas. Usisite wala. Ne regarde pas la fatigue. Usiangalie mamchoko. Le Seigneur Jésus est là. Bwana Yesu mwenyewe yuko hapa. Ça l'essentiel. Jo ya muhimu ile. Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Venez! Johnny! Venez seulement à Jésus. Oui, je crois Jésus tout. Viens à Jésus. Je crois Jésus. Sois béni, ma fille. Qui d'autre? Qui d'autre?
Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Venez. Nani mwingine Johnny? Jésus. Alléluia. Sois béni ma fille. Barikiwa binti wangu. Le nom de Jésus est si doux. Des dieux des âmes. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Dieu te bénisse. Jésus bénissant. Jésus, oh. Alléluia. Oh Jésus suprême, rançon, sois adoré pour tout. Oh Jésus. Prends courage. Jésus t'appelle. Jésus suprême. Sois adoré pour tout. J'aimais ses noms dans le chagrin. Il me soutient. Sa musique est un son divin, précieux nom. Oh, Jésus. Même si tu es dans l'autre salle connexe, Jésus te voit, Jésus te connaît. Alléluia. Oh oui, Jésus suprême, rançon. Sois adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus suprême, rançon. Sois adoré. Si parfois je succombe, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Venez, venez, Jésus bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je connais mon témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jésus suprême. C'est Jésus qui frappe à ta porte. C'est pas moi, c'est lui. Jésus béni soit. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus suprême, rançon, sois adoré. Je t'attends. Encore 5 minutes. Jésus béni soit ton nom. Jésus, oh. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus suprême. Sois adoré pour tous. J'aimais le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom. Jésus.
sois adoré pour toujours, Jésus. Oh Jésus, oh. Jésus suprême, grand sang, sois adoré. Clôturer cette partie du culte. Toi qui étais hésitant, quelque chose te dit de te lever. Prends courage. Couvre nos têtes. Ferme nos yeux. Allez, prends maintenant courage, mon frère, reviens, Jésus t'appelle. Ma soeur, mon frère, personne n'est mort pour toi ici à part Jésus. Juste une décision peut changer une vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, ma soeur? Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es dans l'autre salle? Allez, lève-toi. Et tu verras la différence. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, viens seulement à Jésus. Ne porte pas au lendemain, c'est aujourd'hui. Le lendemain, c'est pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Je te dis la vérité. C'est aujourd'hui ton jour. Est-ce que tu peux venir? Prends courage. Il t'appelle. Prends courage. Il t'appelle. Je vais prier. Je prie en paix. Tu es notre Père Céleste. Tu continues à appeler. C'est toi qui as appelé tes enfants. Dieu bien-aimé, il me rappelle un jour, tu as traversé une mer agité par des vagues pour aller chercher une seule âme alors qu'elle était rejetée dans des cimetières. Le fou de Gadara, c'était un enfant d'Abraham. Tu l'as libéré et tu l'as sauvé.
Une âme à la valeur de 10 000 mondes. Ne laisse pas ta fille, ne laisse pas ton fils rentrer alors que l'occasion lui est donnée. Béni, ô Dieu, tes trois filles et ton fils qui viennent d'accepter aujourd'hui de te donner leur vie, de te suivre et de te servir toute leur vie. Seigneur, commence par agir dans leur cœur avant même qu'ils soient baptisés dans l'eau, que quelque chose de surnaturel se passe dans leur cœur. Merci parce que tu m'as agréé. Merci Seigneur. Oh Dieu, fortifie mes frères et sœurs, ceux qui se sentent fatigués à cause du temps qu'ils ont passé ici, que ce ne soit pas un temps inutile, parce que c'est un temps bénéfique pour chacun d'entre nous. Oui Père, je les bénis en sortant. Prends soin de Seigneur. Alors que nous allons rentrer dans à peine 2 heures, juste pour prendre le pain cocher, prendre la Sainte Cène, le lavage des pieds, conformément à ta parole, protège-nous Seigneur et garde-nous Seigneur, afin que tout se fasse dans l'ordre divin, dans l'amour parfait, et que tu confirmes cela Seigneur par la colonne de feu, comme tu l'as toujours fait, à le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Salut ton frère. Salut bien de Guyako, salut bien de Dayako. Avant de sortir, salut ton frère, salut ta soeur. À nous revoir dans quelques heures. Tout à l'heure, nous sommes chachés.